Ultime Décathlon, saison 4, finale des tournois individuels. Comment ça va, Twin? Ça va très bien, c'est DV. On profite de ces finales pour être physiquement dans la même pièce, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, on est en plein Pintabé. La semaine dernière, on avait fait, rappelez-vous, les trois jeux du coup court. Et là, cette semaine, on a fait les deux jeux longs qui sont donc Mega Man 2 et Mirror's Edge. Il y a eu des tournois tous les soirs, enfin un tour en tout cas, un tour de tournois éliminatoire. Les joueurs étaient, je sais plus, une cinquantaine lundi, quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins, j'exagère, je crois. C'était 32 pour Mega Man 2 et 29 pour Mirror's Edge. Deux par deux, en tout cas, ils étaient. Et chaque tour, l'un éliminait l'autre. Le plus rapide se qualifiait. Aujourd'hui, c'est la finale. Il ne reste plus que deux joueurs, mais pour votre plus grand bonheur, on va quand même faire une petite finale. Donc, c'est ceux qui ont perdu en demi-finale vont quand même faire un petit match pour la troisième place. Nous commencerons donc par Mirror's Edge. Nous aurons Biwix et Tifa. Et a priori, du coup, pas de petite finale puisque c'est Grey Fox, semble-t-il, qui a eu un souci. Ouais, plus de machine. Hein. Il a fait sa run hier soir dans le noir, 26-40, les yeux fermés. C'était une belle performance quand même. Et ensuite donc nous aurons Mega Man 2, nous aurons donc la finale Shidou Asharf et la petite finale KTH Metallo. Alors en tout cas un premier mot, parce que c'est vrai que du coup j'ai pas pu suivre les 2-3 derniers jours, j'étais exceptionnellement indisponible. Un témoin, donc Twins sera témoin, je reviens, je suis arrivé, je sais pas, il y a une demi-heure. Ouais, c'est ça. Sans avoir eu accès à internet pendant 3 jours, on avait deux jeux qui ont quand même des grosses différences, un jeu de la régularité Mirror's Edge et un jeu où les gens sont réguliers mais avec des accidents quand même potentiels sur Mega Man 2. Et tour par tour, j'essayais de deviner qui s'était qualifié, j'ai refait l'arc toute la semaine et je me suis pas trompé une seule fois. Alors, pour c'est vrai, c'était une belle performance, mais je tiens à tempérer ça par le fait que en fait ça a suivi les PB. Pour l'instant, tout le tournoi Mirror's Edge et Mega Man 2, c'est le meilleur au PB qui gagne, alors qu'on a eu quand même pas mal d'actions. Devil Tifa contre Grey Fox en particulier, c'était très très serré. Hier, ils ont fini à la seconde, on était sous le choc avec Tenke, on n'en croyait pas nos yeux. Et donc Tifa qui l'emporte par forfait de Grey Fox. On a eu un Metallo Asharf de folie hier aussi, avec 10 secondes d'écart, c'était assez dingue. Et donc, on a un petit récap de Shenmue pour se remettre tout ça dans la tête d'ailleurs. Et voilà, on se retrouve juste après, à tout de suite. La qualification pour les finales du tournoi individuel de Mirror's Edge s'est déroulée entre 4 très bons joueurs, tous capables de finir le jeu en moins de 27 minutes. Le premier match opposait Biwix et Kouchas, et même si Biwix partait grand favori, il aurait pu se faire éliminer par Kouchas, qui a fait tout au long du tournoi de très bons temps, gravitant autour des 25 minutes. Malheureusement pour lui, Biwix a assuré le jeu en finissant en 24 minutes 11, son moins bon temps de la semaine, contre le 27-01 de Kouchas, sa moins bonne performance aussi. L'autre match opposait David Tifa et Grey Fox, un match qui était serré et qui s'est soldé sur une égalité à 26 minutes 40. Mais à cause de problèmes techniques, Grey Fox a laissé la place à Tifa, qui affrontera donc Biwix en finale. Ça risque d'être compliqué pour Tifa, vu que Biwix est un spécialiste du jeu. Le match de bronze sera disputé entre Kouchas et Grey Fox, et ça risque d'être assez serré puisque les deux joueurs ont fait des temps similaires tout au long du tournoi. Eh ben on va regarder les fiches de nos petits joueurs, donc du coup pas de match Kouchas-Grey Fox, mais donc on va directement se concentrer sur le match que nous allons streamer, qui est donc la finale Biwix-Tifa. On va commencer par Biwix, hein, qui du coup, ça y est, depuis qu'il a fait son 23 minutes, hein, se rapproche des meilleurs en tout cas. Il a pas encore atteint le temps qu'il attendait, il voulait, c'était 22-56 je crois, le temps qu'il voulait faire. Et du coup, comment ça s'est passé cette semaine, Twin, pour notre ami Biwix? Des jolies performances quand même. Il est rentré dans le tableau mardi, il a gagné au tirage au sort et donc il avait pas de match lundi. Et ensuite, il a fait quand même une belle série de matchs, 23-48 contre Nimoker, 23-19 contre Psychose, 24-11 contre Kouchas hier soir. Donc on est très 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 régulier. On a une moyenne en dessous des 24 minutes, ce qui suffit pour aller très loin. Et puis on voit sur sa fiche, hein, son PB avec sa flèche comme ça à 23 minutes, on est très proche du PB quand même tous les tours. En tout cas, je sais qu'il est content. C'est vrai qu'en début de Décathlon, il avait un petit avantage puisqu'il connaissait déjà le jeu, mais il pensait pas atteindre les 23 minutes par contre en tout début de Décathlon, donc ça lui a demandé quand même pas mal de travail. En tout cas, en face de lui, on a Tifa, qu'évidemment vous connaissez. Une fois de plus, il se hisse en finale d'un tournoi éliminatoire.
Il a un 25-44 en PB, ce qui est du coup un très bon temps pour en tout cas les décathloniens. Donc c'est vraiment un bon temps pour les décathloniens. Mais on a dit qu'en face, on avait quand même quelqu'un qui était bon dans les jeux à la première personne et particulièrement sur Mirror's Edge. Comment s'est passée sa semaine à Tifa ? Une jolie semaine, puisque il est arrivé lundi. Lui, pas de chance, il a éliminé Kerr Quick Quick avec un 27 minutes 28, Ezik avec un 27 minutes 07. Et ensuite, il a mis le turbo et à partir de jeudi, on était sous les 27 minutes. Pardon, avec un 25-52 contre Metallo et un 26-40 hier à égalité contre Grey Fox. Donc on est pas loin du PB, un petit peu plus loin quand même de temps en temps. Ça serait bien de réussir à faire sous les 26 minutes pour ce match contre Biwix pour un peu le stresser. On n'a pas vu Biwix encore avoir des problèmes quand même d'exécution ou d'accidents graves sur le jeu. Le jeu n'est pas très punitif, donc ça va être très chaud pour Tifa. Ouais, ça va être compliqué, mais en tout cas, j'espère que ce sera un beau match. On se regarde le clip de Mirror's Edge et la race devrait commencer très peu de temps après. C'est parti, en tout cas ça va être intéressant. Moi personnellement, il y a longtemps que j'ai pas vu Biwix René, ne serait-ce que ça. Je suis impatient de voir la fluidité des mouvements, parce que c'est vrai que, comme on le disait, c'est pas un jeu où il y aura des gros skips à tenter, les gros glitches étant interdits dans cette catégorie. Mais c'est vrai que Mirror's Edge, c'est un jeu où on perd, on gagne du temps partout, avec justement plein de stratégies avancées par rapport au déplacement, le regard, tout ça. Donc c'est souvent la fluidité des mouvements et l'aspect très erratique aussi, parce que c'est à la fois fluide et très erratique, on dit beaucoup sur le niveau global d'un joueur. Ouais, c'est là simplement sur les sidesteps, les quelques techniques qu'on implémente dans ce speedrun, on peut vraiment voir la différence de niveau entre les joueurs. On va avoir, je pense, quelques différences en termes de secondes, hein, même des moins d'une seconde sur certains niveaux. À l'in-game time sur pour les runners, mais on va voir si Tifa arrive en fait à faire une run sans faute. Je pense qu'il battrait son PB et qu'il pourrait faire craindre vraiment sa victoire à Biwix, mais faudrait des circonstances idéales quand même pour Tifa, qu'il ait le ventre plein de pattes et qu'il ait bien le jeu dans les mains quand même. Et pour la finale, on était obligés de se réunir, et d'ailleurs, un Prosper, il est juste à côté de nous dans la régie, là, on le voit. Donc, on est tous réunis à Fougères pour cette finale des éliminatoires, c'est normal. Et surtout, on va commenter Mirror's Edge dans les conditions idéales, hein, parce que ça a jamais été aussi beau, notre retour pour Mirror's Edge. Et donc, ça va être très très bien de pouvoir voir tout ça. C'est parti, côté Tifa, Biwix qui part un tout petit peu derrière. Heureusement, on a l'écart directement avec le temps in-game, hein, des runners. Vous voyez ça en bas à gauche de l'écran de Tifa et en bas à droite de l'écran de Biwix. Il est au centième, Tifa. Hein. Les secondes ne suffisent pas pour le in-game time de Mirror's Edge. Alors évidemment, nous, on a un chronomètre en haut qui est indicatif, qui est donc du temps réel, vous vous en doutez. Mirror's Edge, c'est un jeu du coup qui peut connaître des temps de chargement fort variables. Du coup, les joueurs capturent leur in-game time. Pour cela, en fait, c'est simple. Il y a un load removal, un outil. Qu'est-ce qui se passe chez Tifa? Ça a paniqué un petit peu. On a raté le saut du coup sur cette rambarde là. C'est un peu dommage. Effectivement, c'est le début, là il faut bien vite se remettre le jeu dans les mains quand même.
Il y a eu une porte récalcitrante. Ah, Biwix qui fait la même chose, attention, des deux côtés, on se reconcentre. Ouais, c'est ça, la porte récalcitrante côté Tifa qui l'a déconcentré, sans doute il avait chuté juste après. Et on finit le niveau à 40 secondes de son PB côté Biwix. Voilà, l'erreur qu'a fait Biwix, c'est quand on rabat les jambes avec l'action basse, on rappelle, en plus des contrôles de base et du 180 degrés, on a une action haute, une action basse. L'action basse, quand on est en l'air, on rabat les jambes, ça permet que Face ne s'accroche pas, enfin de passer plus facilement certains obstacles, mais on ne peut plus s'accrocher avec les mains, et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai remarqué que c'est une erreur que font beaucoup les runners en condition de race quand on est froid sur Mirror's Edge, c'est quasiment du 50-50, les gens tombent dans ce trou. Ah, d'ailleurs, je recomprends, hier soir, Biwix disait, j'ai une sauvegarde cheatée, comme ça, j'ai pas de problème de PB. C'est pour ça qu'il a des temps complètement imbattables, hein. 18 secondes in-game time sur son PB, c'est de la triche, évidemment, pour pas qu'il fasse de PB en race, parce qu'il y a un petit écran, vous avez battu votre meilleur temps, et donc, voilà, c'est les assurances, c'est les techniques de pro. Là. Ah, oulala, Tifa qui tombe, ça c'est vraiment dommage. Quant à Biwix, à l'obstacle d'avant, il a raté la fast rat, il y a eu des... Il y a des petits ratés, mais c'est le début. Hein, façon de... Ce sont des niveaux loin d'être faciles en plus. De toute manière, c'est parcours. On va faire trois fois ce niveau avec à chaque fois des balises différentes. Les points rouges, on doit les récolter. Ce sont des checkpoints. Hein. Si on meurt après, on reprend à ce checkpoint. C'est plus pour ça que le jeu n'est pas très très punitif. Hein. Biwix progresse du coup. Terrain 3. Il n'y aura pas de petite finale à cause de soucis techniques. On finit le terrain 2 côté Tifa, pas mal de retard, malheureusement il y a eu des gros accidents, c'est des niveaux très difficiles au début, hein, c'est très exigeant, mais faut pas s'enterrer tout de suite. Ouais, mais c'est vrai, ça commence à se chauffer de côté Biwix, il y a eu quelques petites erreurs, mais j'ai l'impression que maintenant on va être sur la rambarde, on va passer, on joue propre, on rabat les jambes, ouais. Là, ça y est, ça. Je sens que ça monte en puissance en termes de niveau de jeu, deuxième chance sur ce saut qu'on ne rate pas, évidemment on l'a déjà raté. Le 50-50, on rate le premier, on réussit le deuxième. C'est presque, ça peut un peu être déroutant quand même de refaire exactement les mêmes niveaux avec certaines techniques qu'on doit repasser deux fois de suite. C'est un peu une difficulté quand même de ce début de run sur ces terrains qui sont pas faciles du tout, avec beaucoup de choses à faire quand même. Mais le saut sur la rambarde, c'est impressionnant parce que Mirror's Edge, ça fait partie des jeux. Enfin, c'est vrai de beaucoup de speedrun, mais dans les jeux à la première personne, c'est vrai que... rien au déplacement, souvent, on peut dire ce joueur a à peu près tel niveau. Je sais pas si Conan reste, enfin, en tout cas en termes de niveau global, c'est impressionnant. La fluidité de Biwix. Tifa qui a des difficultés quand même, qui rate pas mal de sauts, attention. Ah là là! Ah, okay, il est même pas mort là, ça va être assez relou de remonter. Ouais, il faut s'accrocher à la rambarde, ça aurait pu être pire, mais c'est assez terrible là. Et ça, c'est les sauts assistés, il y a des sacs de sable, il y a une animation spécifique. La Tifa, c'est la panique, attention. Mais ouais, pas mal d'éléments quand même qui peuvent être bloquants dans ce début de speedrun. Et Biwix, il est passé au niveau 4, pas mal de skips au début de ce niveau. Ouais, parce que quand on dit que le jeu est... Et pas punitif, c'est à prendre avec des pincettes, puisque dans un tournoi classique type Décathlon, en fait, les gens sont toujours derrière leur PB, mais plutôt réguliers, parce que la mort, en fait, en termes de points dans un tournoi classique, ne vaut pas grand-chose, enfin, vous perdez pas grand-chose, mais dans une simple race où vous êtes deux, là, il en est tout autrement, c'est-à-dire qu'un peu comme un Dark Souls, hein, si vous êtes en pure race, une mort, même si vous n'auriez perdu qu'un point si on tenait compte des points, là, bah, peut-être que 30 secondes vont vous faire perdre. On a vu qu'il y a eu quand même pas mal de matchs serrés cette semaine, surtout que la Tifa, il est un petit peu derrière, et au sens, il est loin d'être favori, hein, si on suit ce qui s'est passé cette semaine, il est l'outsider, et du coup, c'est chaque petite difficulté peut mettre la pression. C'est pas un jeu très punitif, hein, à chaque moment en termes de temps perdu en absolu, mais comme on l'a vu chez Tifa, là, il a accumulé quasiment 20 secondes par niveau de retard, et donc on est un niveau complet de retard sur Biwix. Ça va très très vite quand on est comme ça un peu froid peut-être, on est samedi matin. Les sidesteps, c'est marrant parce que les sidesteps, hein, justement, hein, c'est pas chassé que la plupart des joueurs font en début de niveau et que les meilleurs font à plusieurs reprises dans le niveau. Dès qu'on doit en fait s'arrêter et repartir à 90 degrés dans une direction, hein, on est à 90 degrés justement à angle droit par rapport à là où on veut aller. On fait une sorte de pas chassé, un saut, et ensuite on met la souris dans la direction où l'on veut aller, et ça permet d'atteindre plus rapidement une vitesse intéressante.
Et c'est ce surplus de vitesse constant qui donne, qui fait que quand on regarde le speedrun, le jeu est très péchu. Vous, quand vous jouez, évidemment, si vous êtes avec Faye, vous êtes un petit peu plus lent tout le temps. Mais c'est pour ça que quand on n'a pas suffisamment joué au jeu, quand on a juste vu le speedrun, la première fois qu'on prend en main le jeu, on peut être assez dérouté. Les gens sont choqués, j'ai dit samedi matin. Vous savez, les speedrunners, c'est des gens du spectacle, hein, donc on est en matinée, là encore. On est en horaire de jour, c'est plus ouais. cher. Ouais, c'est ça. c'est comme au théâtre, hein, c'est les streams du matin. Tifa, ouais, qui s'accroche beaucoup, et à chaque fois, on le disait pas mal avec Tenkei, mais c'est vrai que dès que vous voyez un runner qui n'est pas en train de courir ou sauter, n'importe quelle autre animation, c'est du temps qui est en train d'être perdu, en gros. Donc, si on voit les mains de Face qui s'accroche à quelque chose, Face qui se fait la funambule, tous les moments où le gameplay change, en fait, où le gameplay est assisté sur des choses, des petits éléments de décor différents, c'est une perte de temps. Et voilà, Biwix qui commence à confirmer son avance avec toujours un niveau d'avance. On commence l'envol côté Tifa. Ouais, ça va être difficile, mais en tout cas, faut pas que Tifa lâche. Biwix, là, il joue de mesure mieux. Il va sans doute d'ailleurs tenter, sur certains niveaux, il y a quelques strats à tenter, notamment celui-ci. On va voir ce que fait Biwix. Je pense qu'il va faire... Oulala, là, ça piétine un peu. Là, ça rate même carrément, ça piétine du coup. Il y a quelques strates intéressantes à tenter. C'est vrai qu'on voit le sidestep, c'est bien, parce que même si c'est punitif, on revient très vite à une très haute vitesse, ça minimise l'impact d'une petite erreur. Très jolie trajectoire de Biwix, le skip qui passe bien, les coups de pied en l'air pour aller un tout petit peu plus loin. Ça va passer 3 là, c'est très beau. Là, on verra si Tifa est propre, mais on a vu cette semaine pas mal de fois, les gens soit pas passer par là, soit s'y prendre à deux fois. Et là, carrément, il y a encore un petit passage, là, il y a moyen de gagner du temps, on va voir si, a priori, Biwix va le faire. Mais si le réussit du premier coup, ça va, du coup, mettre une grosse pression sur Tifa, puisque... Ah non, il fait le tour, carrément, Biwix. Il fait le tour, directement. On tente pas le skip. Voilà, il est peut-être pas assez confiant, peut-être qu'il est, je sais pas, à 50-50, et il va pas prendre de risques. J'imagine qu'il le fait quand même dans son PB. Mais je n'ai pas vu son dernier PB, qu'il a fait quand même assez récemment. Les égouts, c'est parti. Évacuation 1 sur des niveaux assez différents, plus rectiligne, plus moins chaotique au niveau du level design, avec beaucoup de choses à skipper, plein de petits moments où Face est censé s'accrocher, et on va faire énormément de sidestep comme ça, énormément de wall boost aussi pour avoir la vitesse maximale. Et donc vous le voyez en bas à droite, hein, si vous regardez l'écran de Biwix, la vitesse de Face tout le temps, et on essaye de la mettre à 26 km/h tout le temps, et quand on fait des wall boosts, elle peut monter jusqu'à 40 km/h. Donc ça se repère assez bien. Mais ça, c'est vrai que du coup, c'est des petits trucs... En fait, quelques techniques de base du speedrun, ça fait partie des premiers trucs vraiment émergents qu'on doit apprendre. Et après, c'est réussir à être régulier, puis le faire dès qu'on peut. Et en fait, on peut vraiment en faire presque partout. Donc du coup, il y a moyen, c'est pour ça que on peut toujours s'améliorer sur Mirror's Edge, quoi. Il y a toujours un petit mur qui traîne, un petit saut à mieux faire. Il y a tellement de trucs partout qu'il y a toujours une piste d'amélioration. Les techniques en speedrun, c'est vraiment très riche. Effectivement, dans le chat, hein, les gens notent qu'à chaque fois que Biwix a un niveau, c'est marqué trop lent ou pas assez vite. C'est normal. Faire un PB, un personal best, un meilleur temps personnel sur un niveau, ça fait perdre une poignée de secondes parce qu'il y a un écran supplémentaire qui dit « Ah, bravo, vous avez battu votre temps !» Et c'est pour ça que Biwix utilise cette sauvegarde qui triche, hein, littéralement, avec des niveaux qui sont finis en 7 secondes pour s'assurer de jamais avoir ces écrans-là. Alors, en tout cas, l'écart à peu près maintenu, mais là, c'est vrai que ça va être... C'est compliqué, parce que pour l'instant, Biwix est quand même vraiment en forme. Ça va être compliqué pour Tifa, parce qu'il faut au moins qu'il maintienne la distance dans un premier temps. Et vu qu'il y a quand même une différence de niveau, là, c'est maintenir la distance et... On verra si Biwix fait sur les petits passages qui seraient éventuellement punitifs, voir ce qui se passe côté Biwix, mais... Tifa qui a eu une semaine assez difficile quand même sur Mirror's Edge, souvent frustré par ses performances. Quelque chose qui est important pour lui, là, ça serait de re-rentrer dans le jeu, au moins pas perdre son décathlon plus tard dans la saison sur Mirror's Edge, parce que... Il a perdu un petit peu le fil, donc faut au moins, même s'il se dit qu'il a déjà perdu Mirror's Edge, rentrer dans le jeu, réussir à
à bien maîtriser le jeu, le speedrun, pour pas se déconcentrer dans la suite de l'UD. Quoi. Bah c'est vrai que dans les matchs comme ça où on voit que il y a une différence de niveau et que c'est sur des niveaux où des jeux sur lesquels les gens sont très très réguliers. Si on fait qu'un seul match, c'est là, il n'y a pas d'autres jeux pour se rattraper, donc c'est vrai que les chances de victoire sont minces, mais elles existent toujours. Le sport, le speedrun nous ont montré à de nombreuses reprises que ça pouvait arriver, et c'est parce que même dans certaines situations, c'est rare que c'est agréable, parce que justement, tout le monde, il y en a un qui a une bonne cote et l'autre qui a une mauvaise cote, et il se passe des trucs des fois, donc c'est jamais complètement enterré, et c'est pour ça qu'on regarde d'ailleurs, il peut se passer des trucs qui sont jamais arrivés. Mais sinon, aucun runner ne ferait ses tournois parce que il y a toujours quelqu'un qui est favori et l'autre qui est défavori. Et donc heureusement que tout le monde s'attelle, prend sa chance et essaye de faire son meilleur run possible. Et puis de temps en temps, ça passe et ça fait des jolies situations avec des runners qui arrivent jusqu'en finale de temps en temps alors qu'ils sont sur le papier peut-être un peu moins forts. On a vu ça sur de nombreux jeux finalement au cours de la saison. Allez. Là, les niveaux, du coup, on retourne à l'extérieur. Là, on passe par-dessus la grille. 180. UX, il y a eu un petit accrochage sur évacuation 3 tout à l'heure, mais il est quand même bien en forme. Ouais. Ouais, donc c'est aussi toutes ces animations, en fait, parce que... Il y a plein de techniques qui n'ont pas l'air, quand si vous n'avez pas fait le speedrun du jeu, qui ont l'air de rien. Mais par exemple, passer par-dessus des rambardes, selon si vous passez à une main ou deux mains. Deux mains, on va dire, c'est normal, mais c'est pas bien. Passer à une main, c'est mieux. Et pour cela, il faut lâcher légèrement avant, avec un timing assez précis. Et mine de rien, ben, c'est des animations qui vont être plus courtes. Il y a plein de fois où il faut faire des choses assez contre-intuitives, comme lâcher pareil encore avant quand on est contre un mur pour aller un peu plus haut. Et c'est toutes ces choses qui font que parfois vous voyez des joueurs réussir des tricks et vous avez l'impression de faire la même chose et ne pas y arriver. Et dans les jeux à la première personne, c'est assez difficile de copier strictement ce que font les gens. Mmh. Ouais, il faut un tuto, il faut au moins voir les inputs des joueurs. Ça sera l'amélioration un autre jour. On verra tous les boutons pressés par les joueurs sur les jeux. Attention, côté Biwix, il y a un skip important qui passe directement. Formalité pour Biwix. C'est vrai qu'on... Ouh, dommage ça. Ouais, c'est pas, ça fait gagner pas mal de temps. Ça continue. Après cette semaine, si on regarde les temps qui ont été faits, il doit y avoir une différence... de un peu plus d'une minute trente. Les gens nous disent 1 minute 25 de retard pour l'instant sur la race. Ouh, Tifa. Oui. Petit drop de frame, c'est... attention, c'est pas grave, on a le timer, de toute façon, donc on sait exactement où il en est. Ouais, clair, donc il a un peu plus de de chargement du coup. Oui, il a des chargements assez longs sur le jeu, on l'a remarqué. Biwix qui a de temps en temps qu'une minute de chargement, ce qui est assez, assez agréable. Tifa, on va plutôt en avoir 2 ou 3 sur la fin. Donc, Ouais, donc ça joue. Donc Biwix en avance, mais a également un PC plus rapide. Mais heureusement, on a du coup le in-game time. Les niveaux de la grue, du coup, des wallruns, pas mal de fois. Faut souvent préférer sauter au glissade, raté. Jamais s'accrocher, jamais avoir d'animation qui n'est pas la course ou le saut et ou le wallrun qui est très bien évidemment. Tant en temps on peut pas l'éviter. On pourrait presque mettre un capteur de mouvement, voir si à un moment il y a un plan fixe. C'est qu'il y a un accro, c'est que c'est pas bien. C'est pas censé arriver. Petit coup de pareil, le kick ici, Tifa. On va voir s'il fait justement setup pour accrocher le plus haut possible ce tuyau. On va voir si il le fait. Ouh. Dommage. Les petites boîtes les unes après les autres pour pouvoir y aller. Et là, on va avoir effectivement ce petit skip. Il l'avait tenté plusieurs fois. Il l'avait raté. Ça a été un passage très compliqué hier soir pour Tifa. Est-ce que c'est revenu dans les mains? Il va le tenter, j'imagine. Le 180, on saute, on s'accroche. Oh, ça passe. Ça passe tout de suite. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il lui faut, Tifa. Se remettre un peu le jeu en confiance. Attention, Biwix avait raté ici aussi. Oh, petite backup tout de suite. Très bien fait. Bien fait, parce que finalement, il aurait pu faire une backup
plus mauvaise en s'accrochant sur le côté, puis il a eu le réflexe, la lucidité d'aller vraiment derrière, faire le 180 et sauter. C'est important de gagner ce petit temps, bien analyser rapidement l'environnement et trouver la meilleure solution. Le petit hit volontaire à la fin des grues 2. On a deux niveaux d'avance maintenant pour Biwix. C'est vrai qu'il est on fire, il va peut-être réussir à mettre 2 minutes à Devil Tifa, faut voir, mais si Biwix fait sub 24, ce qui est possible, ça veut dire que Tifa ferait un sub 26 et le contrat, je pense, serait rempli pour les deux joueurs. Ouais, depuis le début de la semaine, en tout cas, c'est 2 minutes, là je le fais de tête, mais c'était à peu près 2 minutes d'écart en tout cas entre les deux joueurs. Mais effectivement, ce serait très très beau, sachant que le meilleur temps du coup de Biwix cette semaine, donc de ce tournoi éliminatoire, c'est 23-19, j'ai l'impression. Et Tifa joue un 25-52, mais j'ai pas ma souris pour aller dessus, mais j'ai l'impression qu'il a fait un 25-52 en meilleur temps. Un truc comme ça. Tac, les temps de Tifa, mais ouais. Le 25-52, jeudi soir, contre Metallo, c'était pas mal. Le skip qui passe pour Biwix, très clean. J'aime beaucoup justement ce wallrun, et on passe par-dessus justement les deux grilles. Un passage qui est souvent raté par plein de runners, mine de rien. Ouais. Mais c'est les petits passages clés, ça sera pour l'UD simplifié où on mettra simplement quelques tricks à apprendre. Il y aura la fin de New Eden, effectivement. On commence The Factory pour Biwix, un niveau d'intérieur avec. C'est vraiment ce genre de niveau où on peut faire des wallruns partout, il y a pas mal de grilles au-dessus desquelles passer et il faut prendre vite de la hauteur en général avec des petits wallruns et des petits sauts comme ça. C'est toujours un peu difficile à appréhender. Mais ça passe bien. Biwix, il y a très peu de choses qui ratent. Il a des petites chutes, des petits accros, mais c'est très très propre pour une race. Très rigolo parce que... Mirror's Edge, sur ce point-là, c'est justement le contraire de Megaman. Faut souvent, souvent sauter. Dans le doute. C'est ça. Ça aurait été très bien de faire ces tournois éliminatoires parce qu'on aura rappelé en commentaire ou même les runners les uns aux autres des petites astuces et même des trucs presque évidents de temps en temps. En particulier, voilà, cette histoire de ne pas sauter sur Megaman. Beaucoup de joueurs sont tombés de nuit en disant « Quoi ? Il faut pas sauter !»« Bonjour, je suis sub 30, vous pourriez m'aider ? Arrête de sauter !»« What ?» terrible. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui semblent évidentes et en fait, quand on les connaît et quand on les connaît pas, évidemment, c'est très très difficile de les voir. Les grues, c'est fini pour Tifa. Oh, ça va tenter. Non, pas l'ultra façade, mais putain, la façade, je suis très content de l'avoir assez raté, par contre. Ouais, il faut réussir bien à grimper et faire le demi-tour. Très joli, ouais, Biwix. C'est pas mal. On va perdre un petit peu de temps quand même, mais le niveau en The Office en 12 minutes 29 in-game time, on verra ce que fait Tifa. Mais c'est très très beau comme et très très dur, hein, surtout les wallruns comme ça. Il y a un truc, ça concerne pas que le speedrun, c'est dans les usages notamment, et je pense que le saut dans Mega Man 2, c'est un exemple intéressant. C'est qu'en fait, des fois, vu que tout le monde le fait en s'appuyant sur le mimétisme, en s'appuyant sur le fait que tout le monde le fait, donc tout le monde le fait, donc tout le monde pense que ça va plus vite, sans jamais avoir pris la peine de vérifier. Et c'est rigolo. Ça arrive assez souvent finalement qu'il y ait des choses qui semblent évidentes et qu'il faut pour certaines communautés un nouveau runner qui dise « Ah mais finalement ça va plus vite comme ça » pour se remettre en question. On est à la fin du Eden pour Tifa. Est-ce que Tifa va faire le skip? Biwix qui avait réussi du premier coup, on fait le wall run, on saute, ça passe. Ah, très très beau, très bien. Ah mais Bibi pour Tifa sur le niveau, donc c'est dommage, il a gagné 39 centièmes. Et donc là on a un écran qui fait perdre 3 secondes à Tifa et c'est terrible parce que ça valait pas le coup. Mais au moins plus on fait baisser son... C'est 3 secondes, je pense que c'est un peu moins. Bah là il a un petit chargement assez long Tifa, ça dépend des machines encore une fois. D'accord. Et là c'était assez long. Bah c'est 3 secondes, j'exagère sans doute un peu, mais ça paraît infini quand on est en train de run en tout cas. Alors... Voilà, gros écart. Donc on est du coup au niveau 16 pour Tifa, 19 pour Biwix. Alors, en tout cas... On est juste avant Atrium hein, pour Biwix. C'est maintenant que pas mal de choses vont se décider. Et j'aime beaucoup, on le voit toujours 18 secondes derrière ce faux Kibi. C'est toujours très amusant. Tifa dans The Factory, ce niveau tout rouge... Biwix en était pas mal sorti. On fera un petit check in game time sur The Office juste après. Ah bah Tifa qui est pas mal, qui est revenu dans le jeu là, qui est en PB pace encore une fois sur un niveau. Mais on va voir ce que ça. Il pourrait peut-être faire un de ses meilleurs temps de la semaine, ce qui serait pas mal pour une finale, parce que même s'il la perd,
Il fait un de ses meilleurs temps, c'est très bien. Ouais, une seconde 28, c'est beaucoup hein, sur un niveau comme ça. Donc voilà, l'écran à chaque fois, là, ça fait perdre du temps, ça. Ouais, mais pour la prochaine fois, justement, c'est mieux, c'est un investissement. Et pour, mais demandez à Biwix à save cheater si vous voulez pas que ça vous arrive, en particulier dans les tournois de la fin. Là, on va y arriver à partir du 3 mars, on aura le tournoi dernière chance, les grandes finales et l'ultime finale. Donc évidemment, si vous pouvez vous la procurer, ça aidera tout le monde à pas avoir de petites déconvenues comme ça. Très très bientôt, vous aurez des nouvelles. Oh, Biwix. Ah, celle-là, elle fait mal, par contre, il est un peu loin. Heureusement, le checkpoint était... Ils sont super chics. Ouais, Ziatrix, dans ce mode-là, c'est clair. C'est pas comme dans le mode histoire, il est vraiment atroce, ce niveau. Là, il y a des trucs techniques, mais c'est pas trop punitif. Enfin, c'est modérément punitif du fait des nombreux checkpoints. Ils auraient pu faire comme Office et en mettre qu'un seul. Par rapport à Biwix, il était... j'ai pas regardé, mais son The Office se passait assez mal. Non, ça remeurt chez Biwix. C'est très gourmand, ça fait deux fois on rabat les jambes parce qu'on est gourmand. Et on perd du temps. Il rabat pas les jambes de cette fois-ci. C'est dommage, c'est pas grave. On est à 20 minutes. Il y a 30 secondes d'écart, à peu près une game time entre les deux pour l'instant. 2 minutes de retard pour Tifa, apparemment. Tifa a besoin des fantômes de Biwix. Je pense que vous sous-estimez Tifa en disant ça. Ils connaissent quand même bien maintenant les runners de l'UD, hein, tous ceux qu'on a vus. Tous ceux qu'on a vus. Ce tournoi, ils étaient très forts. Le niveau moyen était sous les 27 minutes très tôt dans la semaine. Et donc, ils connaissaient très très bien ce speedrun pour arriver à des temps comme ça. Mais c'est vrai que ça... Ça peut être pas mal de se mettre une marge, un petit fantôme. Parce que ça, le PB peut arriver, hein, malgré nous parfois. Alors, Atrium 2 en tout cas pour Biwix. Et effectivement, Atrium dans le mode histoire, sachant qu'en plus dans le mode histoire, on a un seul checkpoint par zone. Donc, quel que soit l'endroit où on tombe, on recommence au tout début du niveau. C'est vraiment atroce et ça passe très bien pour Biwix sur ce dernier saut. C'était joli et on est à 3 niveaux d'écart maintenant. Entre Biwix et Tifa, Biwix commence l'éclat et Tifa va commencer le niveau juste avant Atrium, je me rappelle jamais son nom, Convoi 2. Voilà. Ouais, il va faire par rapport au temps qu'il a fait dans la semaine, ça va être assez cohérent. Donc ça va. On vérifiera ce qu'on a annoncé, parce que pour les quelques matchs qu'on a vérifié, c'était le cas, mais si vraiment les personnes. Quand on a un meilleur PB et que c'est significatif, en fait, on gagne toujours. Ouais, mais là Biwix, il a raté le petit saut, là, ça a fait perdre un petit peu de temps. On est un peu juste pour le sub 24 pour Biwix, il faut bien qu'il reste dans la run, là, sur ces niveaux un peu plus faciles, mais finalement assez techniques quand on essaye de tout faire. Mais il a fait, ouais, plein. Il y a eu pas mal de morts quand même, bon, des morts pas très punitives pour certaines, mais pas le petit erreur. Ah, le double qui réussi. Passe. Oh, pas non oui. Oh là là, oui, c'est bon, il s'est accroché tout juste, c'était beau, ça. La roulade, ouais, c'est... De toute façon, il n'y a plus de gros pièges, il reste plus qu'un niveau après qui est relativement facile. Tifa, il a quasiment fait toute la run un niveau en retard sur son PB. Il a eu un début vraiment très compliqué, il a perdu 40 secondes sans doute sur les premiers niveaux. C'est très difficile de rentrer dans cette run en Ori 7. Éclat 2 pour Biwix. Hop. Ouais, on verra. Du coup, il est à... On nous dit sub 24, il est large, Biwix, pas de problème. Bah, il a refait pourtant une erreur, là, donc ça veut dire que, effectivement, après, s'il a un 23 minutes dans les doigts, maintenant, 24 minutes, c'est à une minute de son record, donc c'est pas impossible, effectivement, mais il a refait une erreur en début de niveau, alors qu'on disait que ça ne pouvait plus arriver, il a tenté une strat un peu tendue pour gagner du temps, il en a perdu, finalement. L'éclat 2, c'est toujours un niveau que je trouve plus long que ce dont je me rappelle. Mais là, on est quasiment à la fin. Ça devrait bien passer. On est sur du 23-40 à peu près pour Biwix. Alors. Atrium, en tout cas, pour Tifa. Allez. Ouais, ça va être le ça va être on est très très pro. Voilà, ça c'est la trajectoire en ça, c'est beau. 23-50 pour Biwix. Très 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 joli. Son. Troisième meilleur temps de la semaine, il avait fait 23-48 mardi. Et donc Tifa qui va devoir s'accrocher là pour finir sa run, faire son meilleur temps possible. Son meilleur temps c'était 25-52, on était jeudi soir. Et il avait fait un 26-40 hier. Ça s'était pas très bien passé.
Mais en tout cas, c'est vrai que quand on progresse hein, de manière globale à ce jeu, on s'aperçoit que ça fait de nombreuses erreurs et maintenant il est il a une certaine. Il est un petit peu large, il peut faire le sub 24 en faisant un certain nombre d'erreurs. C'est ce qui fait que on peut être, il semble confortable en race. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont passées pour lui, donc c'est vrai que c'était c'est toujours, toujours assez surprenant de voir des runners tomber et faire des très très bons temps. Il y a, rappelons le record du monde à 22 minutes, peut-être que sub 21 tombera un jour. Le sub 22, pardon. Oui. Sub 21, c'est un peu chaud. Ouais, je pense que 21-50, sans doute. Mais on attend Voetia et Zouketra qui refassent un temps. Enfin non, Zouketra, pas Voetia, parce que sinon Biwix va être embêté. Une fois qu'il aura fait son 22-56. Allez, Tifa, on est à 24 minutes 20 de run. Oh, le sidestep qui sort pas au début. Biwix qui me reprend. Ah, j'ai juste dit que c'était la fast rat. Parce qu'à un moment, j'ai dit, va-t-il s'arrêter à mi-parcours? Et c'était l'ultra fast rat. Alors, 24-36 en in-game time pour l'instant. Ouais, c'est ça. Un niveau de retard. À chaque fois, il commence au niveau et juste après, son timer devient rouge. Une information intéressante à voir, on va voir si la suite passe correctement. Alors, ouais, faut terminer, c'est... Mais faut pas relâcher son attention dans Mirror's Edge, parce que même sur des niveaux faciles, en fait, on a vite fait de rater un saut sur une rambarde, de mal s'accrocher, hein, parce que même... Voilà, c'est pas parce qu'un niveau est facile qu'on fait pas d'erreur, quoi. Et celui-là, il est assez, enfin, ce saut sur la rambarde, il est assez frustrant parce que c'est quelque chose qui passe assez bien, mais il faut, voilà, en fait, faire le saut à la frame et avec la molette de la souris, c'est censé être plus facile et de temps en temps, ça sort pas. C'est quelque chose sur lequel on peut ne pas avoir le contrôle. Ah, les sidesteps qui l'envoient dans le mur, attention. D'ailleurs, non, je tiens à corriger Biwix, une ultra fast rat quand on s'y reprend deux fois, c'est une fast rat. Est-ce que Tifa peut faire son deuxième meilleur temps de la semaine? Il avait fait 26-40 hier soir, il en était assez déçu. C'est vrai qu'on reste loin de son PB, mais c'est très difficile de sortir un temps très très proche du PB, on est toujours au moins à une minute derrière. Ouais, carrément, parce que là, dans la semaine, il a fait un 25-52, ce qui est... par rapport à son PB, vraiment, vraiment balèze. Biwix a fini il y a 2 minutes, un petit peu plus de 2 minutes d'écart entre les deux runners. Le jeu qui nous envoie faire un petit tour, en passant juste à côté de là où était l'arrivée. Les petits wallruns pour gagner de la vitesse tout le temps. Tout au long de ce run, il n'y a vraiment pas des tricks qu'on fait au début et ensuite ça devient trop dur et on les fait plus. C'est vraiment toute la run, on fait tout ça. Mais l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de les faire. Sauf si on veut aller vite. Tifa qui était tombé, qui s'était accroché ici hier soir. Ouais, on va être à 26-38, même genre de temps qu'hier. Deux PB au moins au niveau pour Tifa sur cette run. Donc il y a du temps à gratter pour lui, c'était très beau. Maybe Wix hein, se sera imposé quand même. Mais après, voilà, on avait dit de façon hein, que sur ces tournois-là, hein, que c'était le tournoi de la régularité en tout cas. Et je pense qu'on a eu des très beaux matchs, parfois des matchs serrés parce que les gens, certes, ça peut arriver que les personnes étaient particulièrement en forme ou simplement leur PB était proche. Mais quand même, en moyenne, jeu de la régularité hein, pour Mirror's Edge, on peut dire, pour la plupart des tours. Souvent, celui qui a un meilleur PB, c'est un peu comme à l'Elo, s'il y a 2 minutes d'écart, ça a l'air assez rare en fait d'être battu en tout cas sur une run de 25 minutes là, à peu près 25-26 pour les meilleurs. Ouais, surtout sur ce jeu là qui est finalement très déterministe, assez peu punitif, il faut avoir les skips dans les doigts et s'il passe, et si on a la technique pour tout ce qu'il faut faire, ça assure une victoire et ça reste très très beau sub 24 comme ça en live, no reset, c'était bien fait de la part de Biwix et Tifa qui fait son deuxième meilleur temps de la semaine, un peu en deçà de peut-être ce qu'il va nous offrir pendant la finale de l'épisode B la semaine prochaine et pendant les grandes finales. Il est peut-être pour l'instant qualifié en grande finale jour 2 directement, donc ah oui, il y a un petit peu de temps. Pour l'instant, il est dans le top 4 du championnat, et au pire, il est dans le top 4 du tournoi étoile. Pour l'instant, non, il y a pas mal. Normalement, ça devrait pas trop bouger, c'est vrai. Donc en tout cas, c'est fini pour le tournoi. C'était donc le tournoi éliminatoire sur Mirror's Edge. Biwix 23 minutes 50, premier, Tifa 26 minutes 38.
Et donc, les deux autres qu'on mentionne quand même, Kouchas, Grey Fox, qui ont du coup pas pu faire une petite finale, mais qui ont également fait une très très belle semaine. Bravo, bravo, bravo à tout le monde aussi. Est-ce qu'il y a plein de gens qui parfois, c'est un format qui est aussi des fois, comme tout format, qui peut être injuste. Hein. On se fait éliminer au premier tour avec un super temps. Voilà, il y a des gens qui sont pas loin dans le tournoi, mais qui ont fait des super temps. Voilà, il y en a qui avaient des moins bons temps et qui se sont dépassés, qui ont fait le maximum pour aller loin. Donc voilà, c'était un très beau tournoi. En tout cas, bravo tout le monde. Là, on va se regarder le clip récapitulatif de l'autre tournoi dont nous allons voir la finale, la petite finale aujourd'hui, à savoir Mega Man 2. On va retrouver la douce et chaleureuse voix de Chamout et on se retrouve juste après. Les demi-finales du tournoi individuel de Mega Man 2 ont opposé 4 des meilleurs joueurs du Décathlon, qui ont tous fini en moins de 31 minutes. On a pu suivre la race entre KTH et Shidu, qui s'est soldée en une victoire pour Shidu en 29 minutes 32 contre 30-54 pour KTH. Une race qui était serrée, et malgré la défaite de KTH, sa performance reste très très bonne. Le deuxième match de la soirée opposait Metallo et Achar, deux excellents joueurs puisque Metallo est deuxième et Achar premier du classement du Décathlon. Ils ont offert une race absolument folle avec des hits de partout et une exécution maîtrisée. Tout au long du match, Acharf était collé par Metallo et malgré quelques petites erreurs de Metallo par endroit, il ne finit qu'à 10 secondes d'Acharf, en finissant en 29 minutes 23 contre 29-13 pour Acharf. La finale opposera donc Shidu et Acharf, deux joueurs capables de faire moins de 30 minutes sur le jeu comme on l'a vu tout au long du tournoi, et le match de bronze sera composé de KTH et Metallo. De retour donc le tournoi Megaman, nous avons donc une finale entre Shidu et Acharf et une petite finale entre KTH et Metallo. On va commencer du coup par présenter la petite finale KTH-Metallo. KTH, regardons sa fiche et que voyons-nous? Un magnifique 30 minutes 25, 30 minutes 25 pour KTH. Qui est peut-être, en tout cas pour ma part, un des joueurs qui du coup qui était pas, qu'on connaissait pas avant le début de cette saison, du coup un runner qui petit à petit a gagné en puissance sur tout un tas de jeux, en atteste sa fiche, et qui, non content d'avoir du coup gagné le tournoi Kururin la semaine dernière, se retrouve quand même à faire une petite finale sur un autre jeu, ce qui montre qu'il est quand même on fire, comme on dit, donc 30 minutes 25. Quels ont été ses résultats cette semaine? Résultats de KTH, jusqu'à hier soir, ça c'était plutôt le sans faute, avec un 32-06 contre Vandal lundi, un 31-14 contre Stifler mardi. Jeudi, il a gagné contre Cheetah avec un 30-55, donc on s'améliorait, on se rapprochait du PB. 30-54, amélioration d'une seconde hier soir, mais contre Shidu ça n'a pas suffi. Shidu qui fait partie des meilleurs sur Megaman de l'UD4 et donc il s'est fait éliminer, mais on le retrouve aujourd'hui, il se bat contre Metallo pour la troisième place. Metallo bah, qui est un des runners effectivement, comme vous le voyez, avec son petit Megaman d'argent, il brille de mille feux et sa flèche avec son 28 minutes 47, hein, temps et place qu'il partage avec son confrère, Mazimov. D'ailleurs, bah, c'est lui qui avait gagné leur duel. Ils se sont, c'est la raison. Hein, c'est des fois, il y a des spécialistes, des très bons joueurs qui ne vont pas loin car ils rencontrent d'autres bons joueurs. Et du coup, c'est Metallo qui est allé très très loin. Mais le même Metallo est tombé contre malheureusement plus fort que lui en demi-finale, qu'on présentera après. Metallo, runner très lentueux, et j'ai envie de dire peut-être même en race, si on tient compte Twin des tournois éliminatoires ainsi que des matchs, les fois on a pu voir Megaman dans d'autres tournois, ça a été un des joueurs qui a fait les meilleurs résultats en race. Bah, très régulier pour sûr, avec son 30-28, 29-50, 30-31, 29-23. On est au pire 30-31, au mieux à 29-23 hier soir. Donc c'est vrai que c'est une variance très faible pour ce jeu quand même, qui est très très punitif. Il faut réussir à s'accrocher pour pas trop mourir, hein, parce que les morts font perdre vite une minute quand même dans ce jeu. Et puis sans doute celui qui a le meilleur moins bon temps de la semaine, j'ai l'impression. Donc c'est très impressionnant. Donc à voir si KTH, qui a fait mieux à certains tours que Metallo, mais moins bien aussi, avec son moins bon temps, c'était lundi, donc à 32-06, ça va sans doute pas suffire s'il est en moins bonne forme, et si Metallo est à fond, ça va être très compliqué pour KTH. Bah en tout cas, ce qu'on a pu constater, c'est qu'a priori, depuis le début de la semaine, ceux qui avaient des meilleurs PB gagnaient, mais toujours, quand même, la différence entre Mega Man 2 et Mirror's Edge, évidemment, les bons joueurs, comme toujours, sont quand même plus réguliers, hein. Plus on joue, plus on est régulier, fort heureusement, comme dans plein d'activités, le speedrun est à peu près régi par cette règle, mais c'est un jeu avec quand même des skips,
des morts un peu plus punitives. Donc les races, là pour le coup, ça paraît beaucoup plus prenable pour KTH malgré un PB plus faible. Il peut se passer beaucoup de choses, il y a pas mal d'endroits décisifs. Et j'ai envie de dire, c'est ce qui peut aussi se passer pour la finale. La finale, c'est donc Shiryu contre Asharf, hein, qui sont deux gros runners du jeu. On va commencer par Shiryu. Shiryu qui a donc un 28 minutes 54, il a lui aussi la flèche. Malheureusement, évidemment, le podium, il n'y a que 3 places, mais je crois que de mémoire qu'il doit être 4ème, donc il est vraiment aux aguets, il est pas très loin du podium. Il est très fort, Shiryu. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour lui? Shiryu, il était dans la moitié haute du tableau, il est tombé contre Kontos, il avait fait un 30-31, contre Xiaopi, il avait fait un 29-59, contre Devilify, il avait fait un 31-40, grosse contre-performance de laquelle il était assez déçu, c'est sa pire run de la semaine, et hier, il avait fait un 29-32, donc deux temps sous les 30 minutes, deux temps au-dessus des 30 minutes. Si on tient compte de son adversaire, ça va être tendu, il faut qu'il fasse de son mieux, mais apparemment il vient de se réveiller de sa sieste et donc il est pas forcément hyper en forme, donc il va falloir se remettre le jeu vite dans les doigts, brancher la manette, lancer l'émulateur ou la console et puis voir s'il arrive à faire aussi bien qu'hier ou si va y avoir des petites déconvenues sur Herman par exemple. En tout cas contre lui, bah, a priori celui qui est le meilleur runner de l'UD sur Megaman 2 pour l'instant, Asharf du coup, là, vous voyez sa fiche, c'est simple, lui évidemment, il nous a gratifié de sa présence pour faire un PB sur Megaman. Il n'avait pas le temps de faire le décathlon, mais il s'est dit quand même, c'est cool. Prenons une petite armure d'or, une petite flèche. On fait un PB saisonnier à 28 minutes 33. Alors oui, pour mettre les points sur les i, c'est vrai qu'on pourrait dire 28 minutes 33, 28 minutes 54. Bon, c'est certes 20 secondes, une vingtaine de secondes, ça commence à jouer à ce niveau-là. Mais il faut savoir qu'évidemment, c'est pas le vrai PB de Asharf. Il s'agit d'un PB saisonnier. C'est pour ça qu'on peut parler d'une réelle différence de niveau. C'est-à-dire que Shiryu est bon, mais Asharf est encore meilleur car son PB de mémoire est à 28.05 PB all-time. Donc, mais il a 2 ans. Il a 2 ans, mais il a refait des fois des PB qui étaient quand même proches. Il a fait mieux que 28.23 quand même. Moi. Pas cette saison. Ah, pas cette saison. Oui, mais. Mais voilà. Ouais. Mais voilà, parce que. Mais donc, tout ça pour dire que. C'était pour ça qu'on, sur le papier, on lui donne un léger avantage. Est-ce que cette semaine ça s'est bien passé pour Asharf? Bah, pas mal du tout, avec un temps sub 29, je vois ça là, le 28-44 mardi, qui est très très fort. Par contre, il y a eu des déconvenues aussi, et 31-56, on est loin on est quasiment à la moins bonne performance de Shiryu aussi, donc la moins bonne performance de Shiryu bat la moins bonne performance d'Asharf. 29-13 hier soir, il était vraiment très très chaud, 29-32 lundi, il était pas mal aussi, mais voilà, Shiryu, avec ses performances hautes, bat les performances d'Asharf à plusieurs reprises. Je vois, il y a un 29-32 hier pour Shiryu, un 29-32 lundi pour Asharf, donc on est sur des niveaux qui sont quand même sensiblement similaires, parce qu'Asharf fait plus de skips en général, mais les skips sur Megaman, à partir d'un certain niveau, ils sont là pour faire gagner une frame ou deux secondes, mais pas 20, quoi. Ouais, c'est ça, c'est agréable à regarder, parce que du coup, c'est serré, ça fait un peu comme une course de 100 mètres, où on dit, oh là là, il a mis son buste en avant, il a mieux pris le vent, il a un tout petit peu de vent, mais effectivement... on a vu en tout cas que même si nos runners étaient tous talentueux, il y a souvent eu des petits accidents dans Megaman 2. Ça va surtout jouer, déjà un deathless déjà donne de bonnes chances, surtout si votre adversaire fait pas un deathless. Mais effectivement, ça peut faire la différence si vous êtes tous les deux dans le même type de run. On va se regarder en tout cas le clip de Megaman 2 pendant que nos runners se préparent pour la petite finale. Ils partiront avec 15 minutes de décalage, comme ça on pourra voir la fin de leur match. On se retrouve tout de suite.
Alors c'est marrant, on était en train de discuter pendant que nos runners s'élancent du fameux record d'Elonijan en 26-49 qui est très très solide. Et on sait que tout record est prenable au sens, je veux dire, c'est littéralement vrai, mais après en étant réaliste, c'est un record très très difficile à prendre puisque, alors on n'a plus les chiffres précis en tête, mais le deuxième est assez loin quand même. Ouais, quasiment une minute derrière, et donc il y a beaucoup de choses que fait Elonijan Jack, il est le seul à faire, en particulier il a fait le Guts Dozer, j'ai vu une vidéo hier, en un cycle. Donc juste un saut et il meurt, donc largement mieux que ce que tout le monde fait. Et il arrive à faire le dragon aussi en se mettant directement en haut et il le tue avant la première boule de feu. Ce que personne n'est capable de faire, il a un machine de fou et donc c'est hallucinant. Il y a vraiment des... Enfin on est à 3 minutes du TAS quand même, donc il y a moyen de battre ça, mais c'est vrai que c'est très 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 chaud. Bah moi j'ai l'impression que si on veut battre ce record, si par exemple vous ne savez plus quoi faire à la fin de la saison 4, et ben vous vous dites tiens je vais faire un peu de Megaman en attendant la saison 5, je pense qu'en pur exé c'est pas forcément le bon plan, faut apprendre des nouveaux skips, mais qui sont très durs. Mais qui sont en pur exé, c'est ça le problème. Les zips, on va voir si Asharf arrive à nous en gratifier encore aujourd'hui, malgré sa gueule de bois et la fatigue de Chilu. Alors moi je dis tout de suite, c'est pas pour mettre la pression à Asharf. Asharf, j'aimerais bien voir, parce que moi j'étais pas là quand il y a eu le zip d'épique que j'ai réclamé à chaque fois, et les runners ne l'ont pas fait. La cascade de Bubbleman. Non, ça je sais, non, on t'en reste. L'épique, je serais déjà content. Et verra-t-on Willy 6, le skip de la victoire? Le zip raté, c'est ça que tu veux voir? Non, réussi! Oui, tout le monde le fait, là. À partir de la demi-finale, c'était tout nécessaire. Tout le monde l'a fait? Moi, j'étais pas là, moi, justement, les deux derniers jours. C'était une condition sine qua non, hein. Tu fais pas l'alien zip, tu perds, hein. C'est vraiment, tout le monde, les quatre l'ont fait, il me semble, hier soir. Donc ouais. C'était très chaud. Asharf qui s'échauffe sur Flashman, ça va partir dans 5 secondes, va falloir reset la console très vite. Et puis, côté Chilu, on va y aller aussi. Char, petit reset de console. Je fais mes courses. Alors moi je veux voir ça, je veux voir ça, je veux voir ça, je veux voir ça. Ah, on a un faux départ. On a eu un faux départ d'Achar. Est-ce qu'on va pouvoir avoir Chidu pour resynchroniser tout ça? Ah, il est parti trop tôt, Achar. Ouais, j'ai l'impression. Bah, si on arrive à avoir Chidu... Mais c'est la malédiction de la finale, ça la nous était... La malédiction de la finale, ça nous était... Ça nous... Bah si, c'était arrivé la semaine dernière. Oui, la finale, c'était la semaine, quoi. Alors, on va voir si on peut synchroniser, si Chidu le voit, on va essayer de... Bah sinon, il y a Super Prosper, on fait la même strat. Effectivement. C'est la strat de la finale, c'est une feature qui a que pour la finale. Mais c'est pas possible, c'est la malédiction de la finale. Trop de timer pour Asharf, il s'est emmêlé les pinceaux. C'est pas grave. Est-ce qu'on va pouvoir voir... Est-ce qu'on va avoir Chidu? Bah si on l'a pas... Ah, parce que du coup il a recommencé Asharf. Ouais. Du coup... Ça va faire le même que la dernière fois. On a réussi à voir celui qui est parti en retard, mais celui qui est pas... Ou qui est parti trop tôt, mais celui qui est parti après. Du coup, ne voit pas que ça a démarré. Sinon, bah on fera du coup les 2 minutes... on fera le... C'est ça, on va faire 2 minutes et on va faire un freeze, donc je vais faire un décompte, si Chidu le voit pas... Maintenant on peut abandonner, parce que s'il peut le voir décalé, il risque de partir, de s'arrêter, alors que Asharf, j'ai l'impression que... Non, mais parce que là, il a 40 secondes de trou, Chidu. Ah, il a 40 secondes de trou, ouais, c'est vrai. Chidu ouais. Les faux départs, oui. Ça arrive à tout le monde, évidemment. On a une backup ainsi, même s'il devait pas voir, de toute façon, on saurait quoi faire. Donc, mais il est peut-être, c'est la finale. Hein. La finale, ouais. On joue pas toujours avec un chat. C'est bon. Merci. Alors, on va faire un décompte dans l'autre chat. Est-ce que tu pourras faire un 3-2-1 dans le chat quand Chidu et Asharf confirment leur présence? Je vais faire 3-2-1. Je vais faire 3-2-1 dans le chat. Alors du coup, et par contre, non, c'est bon, le chrono du Megaman était lancé, on peut le relancer. Ouais. Sinon, ça pose un problème pour le décalage, pour le... Bah, je ferai un 3-2-1 dans le chat pour le Metallo. Metallo et... C'est terrible. Metallo et KTH, vous partirez à 18 minutes de run. Voilà, si on peut confirmer. Et à 3 minutes, je vais faire le 3-2-1. Voilà, ils ont confirmé. Allez,
3, 2, 1, go. Voilà, on est bon. J'espère que c'est bon côté Shigu aussi, qui s'entraîne du coup. Mais c'est Runner qui repart. On est bon, on j'ai, est bon. J'ai le temps de m'entraîner, voilà. C'est bon. Je peux faire un petit boom trap, pas de soucis. Okay. Non, c'est pas vu 3-2-1. On est parti synchro, c'est merveilleux. Alors là, en tout cas, je crois voir une console à droite. Console assez difficile à capturer, la NES côté Achar, et un émulateur aux couleurs magnifiques côté Shilu. En tout cas, ce niveau, on le fait vraiment plein de fois. C'est le premier niveau, donc c'est le niveau, on l'a fait, je sais pas combien de centaines ou de milliers de fois pour selon son les runners. Mais voilà, c'est du coup, il faut mâcher, il faut faire. Alors on rappelle, on ne saute qu'à quelques moments très précis. Il faut vraiment une vraie justification pour sauter. Sauter, c'est lent, mais il y a quelques avantages, Twin, et c'est les seuls moments où on est autorisé à sauter. Bah, il faut sauter pour éviter les trous, pour pas voilà. tomber. Ou sauter pour quand on a envie de tomber dans un trou. Donc, par exemple, la petite trou dans lequel Shilu veut tomber, il saute. Attention, oh là, par contre, saut raté, quand on veut éviter un ennemi, on saute par-dessus. Mais voilà, faut vraiment, si on n'a pas besoin de sauter, on ne saute pas. Et si on veut tomber, on saute. C'est assez simple et c'est néanmoins essentiel. Il y a pas mal de tricks que j'aime bien rappeler qui font gagner une frame dans Mega Man 2. Et en fait, si on en fait beaucoup, des sauts, il y en a combien dans Mega Man? Des endroits où on peut sautiller, il y en a peut-être, je sais pas, à 120. Et ben, si on fait ça, on perd 2 secondes pour absolument rien. Je crois que l'endroit où les gens sautaient le plus, c'était les couloirs de boss. Et voilà. Genre, oh, c'est tout droit, faut que je fasse un truc, je suis en speedrunner. Je peux pas juste faire droite, c'est pas crédible. Okay. Voilà, c'est bon. Petit retard de Shilu, pour l'instant, c'est pas très important. Et on va partir, je pense, pour le fast air pour les deux. Donc on va partir sur Hitman. Quand on est en finale d'un tournoi comme ça, on est quasiment obligé. Ouais, en fait, du coup, c'est le vrai... Or, c'est l'ordre le plus rapide, le routing le plus rapide, mais il est plus technique, donc plus de chances de mourir. Donc, on va voir, ça pourrait polariser cette race, parce que si ça passe dans les deux cas, ça va être une race standard. On est obligé de le faire parce que l'autre le fait, il y a de grandes chances de réussir, mais si on rate, on peut se mettre en difficulté, donc... voilà, petite boule au ventre, en tout cas on est là aux aguets. On rappelle quand même, hein, s'il y a des spectateurs qui n'ont pas suivi les matchs de cette semaine et qui ne connaissent pas bien Mega Man 2, hein, ce jeu de la NES, première phase du jeu, il y a 8 Robot Masters qu'on fait normalement dans l'ordre que l'on veut, mais en speedrun c'est très très rigide parce que comme on va aller le plus vite, on choisit l'ordre optimal qui est déterminé par deux choses. L'ordre, enfin, les armes que donnent les boss vont nous permettre de tuer certains boss très rapidement, c'est le Shifumi classique, et deuxièmement ce sont les items 1, 2, 3 que nous donnent certains boss, à savoir Flashman, Hitman et Airman, et on veut les récupérer pour faire des Zip Twin, et il y en a beaucoup des zips. Ouais, le concept c'est de rentrer dans les murs et de se faire éjecter pour aller déjà très vite et très loin, et souvent même à des endroits pas normal. Ah, Shilu qui rate son item 3, et donc voilà, ce type item 3 qui grimpe les murs, et ben on va l'utiliser maintenant chez Achar, à droite dans les écrans. On pose un item 3, on se décale, on rentre dans le mur, et paf, on se fait éjecter, la console sait plus où nous mettre, et donc elle nous met tout au bout du mur. Même chose chez Shilu, ça passe très très bien des deux côtés. Mais maintenant, on n'a pas l'item 2 pour ce passage. Voilà, et ça, c'est quelque chose, quand on fait le routing un tout petit peu moins optimal, on met un petit skateboard qui simplifie. Là, il faut le timing, justement, ces blocs qui apparaissent, qui ont traumatisé beaucoup de joueurs. C'était un des niveaux les plus durs de Herman, justement, quand on jouait de manière standard, parce qu'il y a les trous, parce qu'il y a ces blocs qui apparaissent, qui disparaissent, qui apparaissent au-dessus de notre tête, on se cogne. Enfin, c'était, je pense, un des niveaux les plus durs dans les niveaux de base, quand on connaît pas les straps pour passer plus facilement. Ouais, c'est sûr, hein. C'est vraiment pas facile, c'est histoire de trucs qui apparaissent et qui disparaissent. On est à un petit couloir de boss d'écart entre les deux, donc rien du tout. On arrive sur Hitman, un boss que les gens redoutent en speedrun parce qu'il a des patterns qui peuvent durer 90 frames, 60 frames ou 30 frames. De temps en temps, Hitman bouge très rapidement et de temps en temps, il attend longtemps. Et comme il le fait 8 fois, et ben on peut perdre 8 secondes là-dessus. Oh, Ishibu qui se fait foncer dedans, coincé. Non, mais... Il meurt, c'est pas très grave, mais attention à la déconcentration. Alors, du coup, il n'aura pas le choix, il prendra peut-être une vie à Quickman parce que... bon, déjà, il est pas censé mourir, mais des fois, il va mourir de manière intentionnelle quand il fera le Woodzip, quand il sera au stage de Crashman, donc il va être obligé de prendre la vie, je pense, de Quickman. Bizarrement, tout le monde la prend aussi à ce niveau-là.
c'est très intéressant, hein, mais quand on est voilà, en finale d'un tournoi éliminatoire, Asharf, Shilu, KTH et Metallo ont pris la vie à Quickman en demi-finale, et je pense qu'ils referont la même chose en finale, parce qu'on meurt quand même très vite dans ce speedrun, et c'est un détour de quelques instants. Oui, mais du coup, il a déjà consommé son crédit, Shilu, il a plus le choix, lui. Ah oui, effectivement, après, il va remourir. Hein. C'est vraiment d'avoir des remords. C'est on là, arrive sur Airman. C'est là qu'on voit qu'Asharf, Shilu, ce sera pareil. On le dira jamais assez, c'est souvent dans les détails que se cache le diable, en speedrun c'est assez vrai, c'est-à-dire qu'il y a des choses très impressionnantes, on se dit « Ah, qu'ils sont forts ces runners !» Et souvent c'est pas forcément là que se joue la différence, on voit des gros zips, on se dit « Bon, qu'ils sont forts !» Et des fois dans le menuing, ça a l'air anodin, ça a l'air trivial, et la sélection des armes, sélectionner les boss à partir du menu en fait, tout se passe très très vite et on voit qu'il y a tout doit être appris par cœur, on fait les sauts, ça passe. Assez technique. J'ai jamais essayé d'ailleurs cette strat. Toi, tu l'as déjà essayé, Twin ? Oui, et puis je suis tombé. Non, mais vraiment, c'est complètement monstrueux. Ça passe très bien pour Asharf, qui l'a fait très vite. Normalement, on a une strat un tout petit peu plus safe côté Shilu, où au premier nuage, en fait, il se prend un hit contre la tête qui fait boop boop. Et donc vous allez voir ça, voilà, hop, il va là-dedans et il prend pas le hit sur le mec au nuage, c'est légèrement plus long, mais c'est un peu plus safe, donc c'est la différence entre les deux techniques. Et sinon on y passe en abusant de la vulnérabilité, Megaman qui clignote beaucoup sur la NES et qui passe, voilà, on est bon, on prend ce hit, c'est la même chose qu'Asharf. Voilà, les petits oiseaux du coup qui sont sur la gauche, et du coup il y a un nombre de sprites limité sur la NES, il y a de nombreuses fois ça peut être assez utile. Comme ouais, ici, on fait disparaître les ennemis à cause des petits piou-piou qui nous suivent. C'est très bien, ça. Alors, ouais, donc là, on va arriver à Airman. Airman, donc il peut y avoir un petit peu d'aléatoire parce que il peut avoir différents patterns. Alors, c'est un peu, enfin, quand on est à un très très haut niveau, ça devient décisif. Hein, quand on a un niveau plus faible, ça relève plus de la mauvaise foi, mais ça, là, quand on commence à un bon niveau, ça peut commencer à jouer vraiment. Quoi. Ouais, Asharf, il a été obligé d'attendre quasiment la fin du troisième cycle, et ça lui a fait perdre un petit peu de temps. Shilu, c'est malheureusement... Ouais, non, mais Shilu, malheureusement, n'a pas fait le... Il s'est pas retourné en l'air pour faire apparaître l'oiseau derrière lui, et donc il a pas fait disparaître, despawn, comme on dit, les ennemis au ventilateur, il a eu plein d'oiseaux qui lui ont foncé dessus. C'est un peu dommage, sachant qu'en plus, dans Mega Man 2, il y a une règle assez étrange, mais les petites grenouilles ne réapparaissent plus tant qu'on a une petite grenouille à l'écran, et les petits oiseaux empêchent l'apparition d'autres oiseaux. Et donc, souvent, on essaye d'abuser un petit peu de ça pour en avoir le moins possible à l'écran. Ouais, c'est... C'est vraiment, en tout cas, voilà, j'espère qu'en cas Shilu, faut qu'il soit vraiment concentré. Une petite erreur, c'est pas trop grave, mais maintenant, dans la tête de Shilu, je sais pas, je l'ai pas vu runner des centaines de fois, je me mets à sa place, j'ai son niveau. Est-ce qu'il faut continuer à dérouler ce qu'il fait d'habitude? Il sait qu'il joue contre Asharf, ou est-ce qu'il va tenter des trucs qui d'habitude tentent pas en race, et il tente plutôt en grind, pour essayer de rattraper son léger retard? C'est assez compliqué. Oula, 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 oula. C'était un peu chiant, hein. On n'a pas envie d'attraper cette échelle, mais ça ne change rien pour lui, il est bon. Pas de soucis, Crashman a un niveau très technique. Ce zip, il faut pas le rater, mais c'est pas là que se cache vraiment le plus gros des optimisations. Ça va être plutôt sur les échelles juste après, où on va avoir besoin d'une utilisation très intelligente, voilà, de nos items. Item 1 pour grimper le plus possible pour se retrouver en haut, les transitions comme ça où on essaye vraiment d'aller choper très loin les échelles dans l'écran. À chaque fois on saute vraiment le plus haut possible, et puis voilà, les petits items 1 un petit peu partout. Ouais, très très propre. C'est très très propre en tout cas, ces items 1. Les échelles, on faut s'en servir le moins possible. Quand on descend, on lâche l'échelle. Quand on monte, on essaie de mettre des plateformes. C'est un classique. Hein. Les petits items 3, on peut en mettre ces items par contre qu'un seul à l'écran. Donc voilà, il fait bien disparaître l'item 3 pour mettre le suivant. Et donc ça, c'est assez compliqué à faire aussi proprement que ça. Shilu, même strat, évidemment, on est assez proche au PB. Donc ils sont obligés quasiment de faire la même chose sur ce niveau. S'ils font pas ça, ils vont perdre beaucoup trop de temps partout. Oh là là, ça, c'est dur ça. Putain, je l'ai vu, quand on commence à connaître vraiment par cœur un speedrun, un moindre saut un peu trop tôt, on voit la mort arriver et on s'inquiète, et souvent on a raison. C'est terrible. C'est pas grave, c'est passé, mais là, un peu moins d'item 1, obligé d'attendre pour choper le plus haut possible cette échelle. Ah, il est mort côté Asharf, mais on a voilà, perdu un petit peu de temps, on n'a pas fait le one cycle. On en voit finalement pas tant que ça en fait, hein. Il y a un petit positionnement avec l'ennemi qui nous saute dessus, il se prend deux ouragans et il s'en va. Après, bon voilà, c'est pas sur ça que la race se jouera, mais
Là, je suis du petit retard, en tout cas, pour l'instant. Al-Sharf qui zip quand il respawn et il nous dit « Reste appuyé sur O, c'est le secret. » Voilà, des petits détails comme ça. Et il vient sur le chat, évidemment, pendant les temps d'attente, hein, la marque des champions, évidemment. Ouais, la vie, côté Al-Sharf. C'est vrai que quand on voit la technique, on saute, on tire, c'est une petite technique, c'est vrai qu'on... De base, en fait, pour mettre rapidement la plateforme et sauter dessus, hein, c'est vraiment... C'est très fluide, ça fait gagner un petit peu de temps. Le niveau de Quickman, on a vu des... Il y a eu des accidents sur certains tours, sur ce niveau. En particulier, voilà, à cause de ce zip, on essaye bien de rentrer dans le mur, et normalement, quand on est à Sharf, on ne va pas faire réapparaître la lumière. Voilà, on le fait dans le noir, il y a un décalage, hein, on se retourne sur soi pendant une frame, et ça suffit pour voir le décor, mais quand on est à Sharf, une frame, on en est là. C'est vraiment le jeu des images, hein. Une image, c'est 1/60 de seconde, et donc on essaye d'en gagner le plus possible. Mais c'est surtout qu'après, il a... Si après, en termes d'exécution, ça présente pas une difficulté supplémentaire, il a ses habitudes, c'est... Faut l'apprendre quand même, parce que tout one-shot, là, enfin les lasers... Ah oui, non, mais ça, je m'en doute. C'est très, très, très perturbant, et surtout ce couloir aussi dans le noir, où voilà, quand on essaye de faire le zip en plus... Moi, je sais que je le ferais pas, même si j'avais le niveau d'Al-Sharf, mais... Allez. C'est bon. Ça devrait être passé. Mais c'est classe. Par contre, visuellement, je trouve au niveau spectacle, ça vaut le coup de le faire. Mm-hmm. Mais par contre, niveau speedrun, ça n'a pas de sens, je trouve. Bah, s'il y arrive, ça avait du sens, il n'y a pas de souci. Non, mais ça dépend, parce que même quand tu es en grain, si par exemple il meurt 10% et il enterre 10% de ses runs là-dessus, je sais pas. Ah oui, mais il l'aurait pas fait s'il était à 10%. C'est le décision. Non, 90%, justement. Oui, voilà, non, mais enfin, 10%, s'il avait 10% d'erreur, je pense pas qu'il l'aurait fait. Il est... Où est-ce que c'est pas... J'espère. On est obligé, Al-Sharf, il calcule ses risques, on tue Quickman avant les 11 minutes 30. On a un petit freeze frame côté Shiryu, mais ça va revenir, pas de soucis. Voilà, Metalman. C'est vrai qu'il a quand même dit « J'ai pas softlock » dans le chat, comme quoi il y avait inquiétude, mais on en est là, et il est obligé d'aller prendre tous les risques pour le spectacle au moins. Allez, c'est parti, les petits sauts ici, parce que les tapis... Évidemment, ne vont pas toujours dans le sens que l'on désire. Un des zips les plus faciles du jeu, si vous voulez vous entraîner, celui-ci, c'est vraiment des plus simples, Metalman. Une fois qu'on est bloqué, enfin, vraiment, on a tout notre temps pour les inputs du zip. Il est vraiment très cool. Est-ce qu'il va l'essayer celui-ci ? Non, il le fait pas. Là, il y a un zip, mais qui fait quasiment pas gagner de temps. Et si on le setup un tout petit peu trop lentement, il en fait même perdre. Souvent, ici, on met un petit item de... pour sauter, pour passer par-dessus les ennemis, les habiles. Mais c'est vachement plus simple que faire des sauts quand tu sais te positionner. Non, enfin oui, peut-être. Moi je fais les sauts, je trouve les sauts très simples. Ouais, je sais pas. Non mais ça a l'air plus simple quand des bons joueurs jouent. Toujours ce que tu fais. Suffit de faire gauche et droite. Ah, suffit de faire gauche et droite, y'a pas de soucis. Et Shiryu, en fait, il a utilisé Flashman et ça a frisé le temps, mais vraiment en fait. Et donc... On attend que Flashman s'interrompe peut-être. Ça c'est parce qu'il a concentré le tir de Flashman. En speedrun ça sert à rien, mais... Quand tu concentres le tir de Flashman, ça arrête tout. Allez, on est bon. Côté Al-Sharf, Metalman, formalité en maintenant, en rentrant dans l'arène avec l'arme de Quickman qui ont laissé enfoncer. C'est la seule arme du jeu qui tire en laissant enfoncer le bouton. Normalement il faut mâcher à part ça. Ouais. Ceux qui calculent à la seconde, qui connaissent par cœur les splits de la charge, je regarde son meilleur temps 28-44, qui du coup à 11 secondes de son PB, qui est aussi le meilleur temps de l'UD, en tout cas en race officiel, c'est un très très beau temps. Il est à quoi par rapport à ça? Moi je vais pouvoir te dire, après Bubbleman, on est à 17-15 à Bubbleman. 17-15 sur son record ou sur le 28-44 à peu près, ça va être le genre d'idée à avoir. Donc on regarde ça. Hier Shiryu avait fait 17. Ah attention, il faut bien zipper. Voilà. On était à 17-20 à Bubbleman côté Shiryu hier, mais Shiryu avait un moins bon wheelie. Donc c'est l'ordre d'idée, les repères. On part sur le woodzip côté Al-Sharf, qu'on va pouvoir se mettre peut-être en plein écran Prosper le temps que Shiryu revienne. Ouais, on va voir ça, ouais, ça peut être une bonne idée, effectivement. Les menuing, on prend Quickman, on rappelle, hein, ce que vous voyez n'est pas la réalité. Là, ça fait partie des trucs les plus impressionnants, en tout cas visuellement. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus difficile, mais il y a une grosse section d'apprentissage sur tout ça.
c'est pas dur, mais en race, on voit des runners se planter quand on panique, car le, on est éjecté vers la droite, et si on fait droite, ben, on n'a plus d'inertie, et c'est une erreur qu'on peut faire quand on est sous pression. Hier, je détaillais les inputs pour faire ces zips verticaux, hein, trois fois haut et puis gauche-droite, donc c'est-à-dire on nous a signalé que c'était l'équivalent d'un Tatsu puis d'une Super avec Ryu. Donc voilà, si vous voulez apprendre les inputs de cette manière-là, vous pouvez. Mais Woodman vaporiser. Ouais, mais c'est ça, hein, je pense que l'analogie avec le jeu de combat, de toute façon, on l'a souvent faite, mais il y a quelque chose dans le speedrun de cet ordre, des fois des techniques, en fait, c'est un bloc d'input qu'on apprend, et du coup, c'est... C'est plus simple que de se dire ah, ok, je fais un tatsu ou je sais pas telle portion, et une fois qu'on le connaît, c'est bon quoi. Alors, Asharf, normalement il fait le début de Bubble Man avec l'item 1, contrairement à la technique qu'on voit souvent où on met un skate et on fait tout le début comme ça. On va voir ce qu'il choisit de faire ici. On va être parti voilà sur le machine pour tuer les grenouilles, c'est plus rapide si on arrive à les tuer comme ça sans s'arrêter. C'est des tortues qui ont plus de carapace. <C'est>... Pardon. Et donc là, c'est très bien passé, pas de soucis. Ça veut dire peut-être qu'il nous prépare de faire l'item de zip qui a la frame et au pixel sur la suite. On va voir ça. Voilà, ça peut être sympa. En tout cas, pour l'instant, c'est très beau. Il a. On est 4 secondes derrière son pili UD pour Asharf. Donc on est sur un 28-45 pace. Et voilà, il a récupéré son item 2, petit damage boost. Il s'était fait toucher deux fois ici. Ah, pareil, il a pas réussi à sauter par-dessus le poisson. Bah, c'est même mieux, tu dis 5 secondes derrière son PB UD. Oui. Ah, bah, c'est encore mieux, il peut faire un PB Rise, du coup. Ah, oui, on est. Oh, il passe directement, pas de soucis. L'item 2 ensuite pour enchaîner. Frame perfect, pixel perfect, on est sur un jeu quand même. NES, qui joue à 60 Hz, c'est très très dur. Et ça passe, mais voilà, mais sans problème. Sachant qu'en plus, quand on le rate celui-là, soit on tombe, soit on se fait vaporiser parce qu'on zip dans des oursins quand même, donc il faut être dedans. C'est vraiment à fond et on est obligé de le faire avec l'item 2 parce que l'item 1 vous pousse dans le mur, mais très lentement. Et les. Oh là là. C'est mais vraiment monstrueux. On pourrait voir un PB Race. Peut-être un PB en tout cas saisonnier, enfin on peut en tout cas espérer parce que évidemment la run est loin d'être terminée, mais voilà, mais ce serait beau pour clôturer on est presque sub 17, 17-1 à la sortie de Bubble Man, donc c'est on est 25 secondes devant ce qu'il a fait hier. D'accord, 25 secondes, je crois que c'était par rapport à son 28-44 que tu avais le repère. J'ai le repère par rapport à toutes les runs. D'accord. Hier il était à 17-25. 5 secondes derrière ce qu'il avait fait Shidu à la mort de Bubble Man. Ok, bah en tout cas c'est très propre pour l'instant. Et du coup, voilà, il vend du rêve. Et c'est à peu près le niveau qu'on attend à l'ultime finale hein, pour les décathloniens. Donc va falloir bosser Megaman, les gens. Et là, les gens nous confirment hein, devant son PB UD alors qu'il est en condition de gueule de loup avancée. Il nous disait ça tout à l'heure, mais ça devrait aller. Ah non, il rate son skill. Juste au moment où on nous annonce qu'il est devant son pipi, il est derrière maintenant. Il est parti, c'est le skate, il était parti sans lui, c'est pas grave. Hop, il a tout juste de quoi monter sur cet endroit. On va voir, je sais pas s'il a... Non, je crois pas qu'il... C'est calculé, hein. Il va pas avoir besoin de se recharger. Et s'il l'a utilisé là, l'item 2, ça veut dire qu'il fait le zip. Ah oui, l'item 2. Ouais, c'est très très propre, évidemment. Mais après, Megaman, on a vu... Bah non, là par contre, faut se reconcentrer, pas faire des petites erreurs, parce que le nombre d'item 1 est compté dans Willy. Ouais, c'est vrai que ça, le jeu devient vraiment plus difficile, car déjà il y a des sections un petit peu puzzle en cas le zip est passé, le zip vertical, c'est super fun visuellement parce qu'il y en a quand même beaucoup moins et on les apprend plus tard en général. Quoi qu'il en soit, les items sont nécessaires pour terminer le niveau de Willy et on n'a pas de recharge, enfin on peut ramasser des recharges mais... Oh, en 3 items, c'est complètement fou de les setup comme ça et ça passe nickel. Et là, ça passe tellement bien souvent qu'il se retrouve, voilà, il re-zip et il se retrouve en haut de l'écran ici, voilà, pas de soucis. C'est très beau. Ouais, c'est très très beau en tout cas. On verra. C'est vrai que les items, en tout cas, c'est la chose la plus retors en tout cas de quand on connaît. On est susceptible en tout cas de faire des erreurs en race, d'utiliser un item de trop, de plus avoir un moment où c'est nécessaire. Voilà, le dragon et les blocs de glace. Hop là. Là, il va passer par en bas évidemment. Et voilà, c'est vaporisé. Bon. Très très bien.
Ça zippe trop, les gens disent. Mais ouais, il fait tout, il a invoqué la puissance des mathématiques. On arrive sur Willy 2, et malheureusement, on ne surcharge pas en items et en armes entre les niveaux de Willy. Donc là, il va falloir faire avec ce qu'on a dépensé sur Willy 1. Et donc maintenant, ça va être sans item 2, puisqu'il n'en a plus. Alors, a-t-on des nouvelles de Shilu? Ou alors Shilu, il a eu... Le problème n'est pas réglé, auquel cas, tant pis, ça peut arriver... Navré. Malheureusement, sa connexion internet est décédée. Alors, ben, on va continuer de toute manière. On va partir du principe que tant que. Allez, c'est chaud. Asharf ne fait pas ça d'erreur. Passe. À priori, il n'y a pas de raison que. Oh non! Il a raté mon zip. Il a fait le plus dur et il a raté le gauche saut. Ah non! Ah, c'est vraiment terrible. C'est pas grave. On le refait. Ouais, c'est dommage là. Ça va le mettre derrière son PBUD. Et là, on continue à zipper jusqu'à l'échelle. Très très jolie du deuxième coup. Mais voilà, petite perte de temps. Item 1 pour passer par-dessus ces blocs. Ouais, mais c'est vrai qu'on voit que Megaman c'est un jeu long avec. Et c'est rare que tout se passe bien quoi. C'est terrible. Ah, obligé de se soigner. On utilise Woodman pour la première fois. Donc ces feuilles qui font un bouclier autour de nous qu'on peut envoyer dans une direction. Qu'on va utiliser pour ici tuer les petits ennemis. On va essayer de les tuer le plus tard possible pour prendre le moins de drops possible en théorie. Obligé. Pas de chance. Quand ils sont dans le couloir, pas de chance, voilà. On va prendre là, ouais, l'item 3, on monte. Et ici, on va faire la strat. On va du coup. Ah non, il passe du coup non, au flashman. Flashman, ouais. Il s'était fait peur ici hier. Il y avait eu une prise de 10 tanks aussi sur, Willy 2 par Shilu, il me semble, qui s'était fait un peu une frayeur. Mais c'est plus long de quel ordre d'ailleurs? Moi j'ai toujours fait ça, justement. Ce que fait Achar, c'est moi, c'est ma strat, c'est comme ça que je joue pas, j'ai toujours appris à baser comme ça. Mais la strat optimale, elle est plus rapide de combien? On est sur le temps que prend le fait d'utiliser Flashman plus le menuing, donc on est sur une quinzaine de frames sans doute. On est sur cet ordre d'idées. Parce qu'en fait, avec l'item 1, on peut passer sans s'arrêter du tout. Et donc, voilà, on est vraiment là-dessus, mais c'est assez chaud. Il va être derrière, first strike du deuxième coup, effectivement, on va être derrière son PBUD, j'imagine, d'une dizaine, quinzaine de secondes maintenant. Et tout à l'heure, hier, il s'était fait une petite frayeur aussi. Sur le dernier hit, à force de sautiller par ennui, il s'était pris Pico Pico Queen dans la tête. Mais heureusement, ça l'avait pas tué. On finit Willy 2 à 22 minutes, c'est très bien. Voilà, de toute façon, là, pour l'instant, a priori, vu la... Après, Shilu aussi est capable de faire un bon niveau. Il y a eu une petite mort, effectivement, d'Asharf. Donc peut-être que Shilu, il y a des chances que Shilu soit pas loin derrière, enfin pas trop loin derrière, mais a priori Asharf est devant. Car même si nous n'avons pas le stream de Shilu, on peut supposer en tout cas qu'il est en train de runner et qu'on aura du coup son temps quand il aura récupéré Internet. Mais on peut largement, je pense, dire que pour l'instant Asharf est devant. Je pense que ça paraît cohérent. Ça paraît cohérent, mais pas forcément grand chose, hein, parce que si Shilu passe tout bien derrière, même sans faire les tricks que nous fait Asharf, il perd pas beaucoup de temps, donc Asharf qui a perdu une quinzaine de secondes peut-être en mourant un petit peu moins, on va être sur cet ordre d'idée en tout cas, Shilu pourrait être une dizaine de secondes derrière en train de finir Pico Pico Kun ou de commencer ce niveau, et donc là faut pas se planter, et tant que Willy 4 est pas fini, il y a rien qui est assuré pour la suite. Allez, là ce boss formalité, on va balancer des petits boomerangs. Là, c'est le test de machine. Pour l'instant, Asharf et KTH étaient les champions de machine. Ah, il n'y arrive pas en deux fois. Non, il perd sa place de champion. KTH l'avait fait deux fois de suite. Ah, c'est terrible. Et voilà, Shilu qui reprend le stream. Il commence, voilà, le niveau Willy 3. Un petit peu derrière ce que je disais. Ouais, il a dû... Il s'est passé quelque chose, je pense. Il y a eu des petits pépins, quand même, pour expliquer ce retard. Je pense pas qu'en... Ouais, je sais pas où, mais il y aura au moins une petite tuile. Peut-être pas une mort, mais un truc qui s'est mal passé. Ouais, ou alors ça joue safe. En tout cas, on va... Asharf commencer le niveau à 23-44. On fait les petits zips pour le style et pour gagner un petit peu de temps côté Asharf. Mais c'est vrai que Shilu, il a raison de jouer safe. Mais en même temps, il triche, il a vu le live déjà. Il sait qu'Asharf va mourir. donc il fait une petite run tranquille. Il trottine. Le zip vertical ici... Tête sous super, pas de problème.
Voilà. Hop, utilisation d'items tout le temps, tellement haut que ça nous fait rentrer dans le plafond. Petit zip, magnifique. Et oui, hein, les émulateurs interprètent les couleurs souvent différemment. Oh non ! Non ! Un charf trop gourmand, game over, il se retrouve égalité ça va avec aller, Shilu. Attention. Ah mais ça va les... Du coup, les resynchroniser, là, c'est... Enfin, les resynchroniser, Asharf a toujours une avance, mais elle est beaucoup plus faible. L'avantage, par contre, entre guillemets, dans son malheur, c'est que tout est rechargé après le game over. Donc, mais voilà, il est quand même... Même s'il avait atteint le checkpoint, et ben on s'en fiche après un game over. Ouais, le checkpoint n'est pas validé, mais les armes sont rechargées. Est-ce que c'est intéressant? En tout cas, il va pouvoir tenter tous les zips. Il n'est pas trop dans la dèche par rapport à ça, mais voilà, perte de temps. Shidu est juste derrière. Le script de la production, justement, on disait, on parlait de script. Voilà, c'est normal, c'est pour vous qu'on fait l'UD, c'est le spectacle. Ouais, c'est ça qui... Nous, on aime les races serrées et Megaman jusque-là. Megaman et Mirror's Edge, depuis hier, ça offre vraiment du rêve. Et à chaque fois qu'il n'avait pas utilisé son item 1 ici pour ressauter, alors sans doute par gourmandise, parce que, encore une fois, on se recharge pas en armes, donc souvent on est un peu faible, ben, c'est pas passé. Donc, ouais, c'est du coup maintenant beaucoup plus tendu parce que... Ouah, celui-là, il fait vraiment tellement peur à chaque fois. C'est là que Tifa était mort, elle avait perdu sa race contre là, quasiment contre Shidu. C'était jeudi soir. Là, c'est compliqué parce que... donc, évidemment, là, on va faire le zip. On va essayer d'accéder à l'arène du boss. Et de, le faire proprement, surtout. Attention. Il faut vraiment pas trop zipper. En fait, le jeu vous fait zipper, en gros, de case en case. D'une case, deux cases, voilà. Et si vous le faites trop loin... Si vous zippez trop loin, et ben le jeu considère pas que vous passez l'arène du boss et vous passez dans une warp zone un peu, dans un niveau qui ne correspond à rien et vous pouvez pas, vous êtes softlock complètement. Oh attention, on va pas avoir de crash bomb supplémentaire, mais comme il a réussi à faire le double hit tout à l'heure, ça allait, on va essayer le transfert de dégâts qui passe à Sharf, joli, donc il va lui rester une crash bomb, c'est très bien. On va voir s'il l'utilisera contre la Wii Machine. Là, oui c'est bon. J'ai cru en fait avec les sprites qui disparaissaient qu'il y a eu un petit souci côté Shidu. Voilà, il y a quand même une belle avance d'Asharf. Ça va quand même être compliqué de remonter là. Asharf nous dit je peux expliquer. Voilà, c'est parti pour le boss rush en tout cas pour Asharf. Shidu est toujours derrière, mais je regarde. Bah là, en fait, il peut y avoir plus qu'un scénar, c'est soit une catastrophe côté Asharf qui mettrait directement Shidu devant. Mais Shidu, simplement avec l'exécution, peut pas remonter là. Ouais, en général, on dit à Willy Cat, la run est un peu finie. Mais attention, on a vu tellement de morts sur l'alien, tellement de petits problèmes un peu partout. Asharf qui jouait. Oh, attention, faut pas mourir quand même! Ouais, ce saut bien fait et qu'il était nécessaire. Il a pas. Il s'est pas rechargé. On est contre Hitman. Hitman, ça devrait aller. Mais attention, là, il est quand même en danger. Il a fait le petit saut. Fallait connaître. C'est le seul moment où il a une petite chance de nous toucher si on connaît pas bien. Ok, là, il se recharge. Ouais. Pas de problème. On le tue surtout sur le téléporteur pour vraiment pas avoir à aller chercher l'énergie parce qu'on n'a pas envie de te déplacer. On met Hitman avant de rentrer dans le boss pour maintenir le Hitman enfoncé et se recharger en arrivant directement. On bouge pas du téléporteur pour se repartir le plus vite possible. Shidu, il est vraiment juste derrière. Il est deux boss derrière sur ce boss rush. Sharf qui a raté un hit. Est-ce qu'il va se recharger? Ouais, il se recharge. Il jouait un peu safe. Bah oui, non. Là, évidemment, contre la Willy Machine, il y aura l'écrage. Tout ce qui est crash bomb, c'est... très très violent. Souvent nous quand on joue on en a plus évidemment, mais avec des strats avancés on a pu en économiser une ou deux. Il en faut deux pour vraiment vaporiser la Willy Machine, mais là je pense qu'on va simplement assister à du mashing de Metal Man côté Asharf. On va voir s'il utilise sa crash bomb. Ah ouais, c'est propre avec le petit saut et ouais, tout. Ouais, les petits sauts pour éviter les hits. En général, on peut le faire simplement en bourrant, mais ça passe bien. Donc là, c'était pas vaporisé. C'est rigolo non, parce que... pas vaporisé. Ça, c'est comme la différence entre une ultra fast strat et une fast strat. C'est pas le plus rapide, en tout cas. Mais c'était vraiment très très bien quand même. Et ça joue petit bras, les gens disent. Oh là là. On arrive à la Willy Machine. Côté Shidu aussi, on va tenter le zip. Je le disais tout à l'heure à CDV, tout le monde l'avait tenté hier, tout le monde l'avait réussi hier, et c'était quasiment une condition sine qua non pour cette victoire, je pense. Ah, mais ça change hein, d'un tour à l'autre, après, il y a une vraie transfiguration.
Voilà. Allez, on rentre en équipe Bubbleman. Et là, on peut perdre la race maintenant, Achar. Achar, on a tenté, on 3, le sait. 2, ça passe, 1, c'est bon. C'est voilà, bon. Là, c'est terrible. Après, on a vu beaucoup, malheureusement, de temps en temps, une petite mort sur Alien. C'est pas censé arriver, mais avec la pression de la race. L'idée, c'est de se faire toucher par son projectile, évidemment. Mais parfois, on se dit, c'est bon, c'est pas grave, ça passe, on se fait toucher. Il manque une bulle. Et on se fait toucher par le corps, et là, tout de suite. Mais a priori ça va pas arriver. C'est fini, on est sous les 30 minutes. Pas la meilleure performance d'Acharf malheureusement, mais une très très bonne, très beau au début de la run, et malheureusement mort à Willy 2. On va voir la fin évidemment des combats de Chilu. Ça devrait aller, juste envie de voir cet alien mourir. On passera juste après sur KTH Metallo, qui devrait être à la fin des Robot Master. Par contre, Chilu est dans sa moyenne en fait. Il est dans sa range, il a été très régulé cette semaine en fait. C'est un temps du coup, ça s'est passé normalement de son côté. Hormis une petite difficulté en début de run. Et ben c'est parti en tout cas. Acharf premier, Chidu deuxième de ce tournoi éliminatoire Megaman. Et là nous avons donc la petite finale, nous avons donc KTH et Metallo qui ont commencé. Vous voyez, il y a un peu plus de 15 minutes. On commence Bubbleman pour Metallo. Et on est en tout cas à Bubbleman pour KTH. Il va y avoir une différence de routing, difficile d'estimer l'écart. Je pense que KTH fait Woodman juste après Bubbleman, et Metallo c'est son dernier Robot Master par contre. Ouais, c'est tout à fait possible vu les temps. Donc on part sur l'item 2 au début pour Metallo, on est à la fin de Bubbleman pour KTH. KTH, j'ai toujours peur des drops de des drops de vie de ce crabe, le dernier crabe ici, parce que si on l'attrape et qu'on se recharge, derrière on tombe comme une pierre, tel Arthur dans Super Ghouls and Ghosts. Oh, le petit saut là pour Metallo raté, attention. Donc Acharf, notre 9e, notre 10e champion. On aura donc bien eu 10 runners différents, un par jeu, des spécialistes, des non-spécialistes, un peu de tout. Et un joli palmarès. Si vous avez donc réussi à gagner un tournoi éliminatoire, vous êtes très spécial. Voilà. Donc en tout cas. Chidu qui a eu sa coupure et donc dû parce que les enfants tiraient sur le câble Ethernet, je trouve ça très mignon. Mais ça veut dire qu'il s'est relevé pour rebrancher son câble Ethernet sans doute. D'où les 15 secondes, on disait il a dû se passer quelque chose. C'est pas grave, Chidu, très très belle race quand même, on aura vu le principal. Ouais, et pour ceux que ça intéresse, hein, on fera vite nous notre tableau synthétique en tout cas pour les étoiles, on mettra... Pour chaque runner, la meilleure performance faite, en tout cas sur chaque jeu, par chacun d'entre vous. Et du coup, sur ce pentathlon B, ça vous fera du coup des petites étoiles. Et on fera ça dès que possible. Effectivement, ça viendra ce week-end. Achar qui nous dit, voilà, la mort à Willy 4. Il n'était pas sûr d'avoir assez d'items 1, hein, comme on le disait. Ouh, c'était tout juste pour KTH. Comme je le disais, on peut ne pas avoir assez de... d'items à cet endroit là et donc par contre dommage KTH qui utilise sa flashman un peu trop tard, obligé d'attendre, et Metallo qui a une jolie avance finalement, mais quand on regarde l'écart au PB qui est de plus d'une minute 30, ça peut s'expliquer par ça. Ouais, c'est clair, donc pour l'instant j'ai envie de dire c'est très très standard, les deux jouent comme ils doivent jouer face à un écart qui est normal, mais comme on a dit, du coup on va avoir les yeux rivés surtout sur Metallo, faut pas que KTH fasse d'erreur, faut qu'il... Voilà, justement, petite imprécision, mais rien de grave, mais surtout Metallo, quoi. Est-ce que faut surtout pas qu'il meure, quoi. Et on l'a vu, hein, c'est les morts sur les niveaux de Willy, ça peut être décisif, Willy 4 en particulier, utilisation d'item 2 là, un petit peu partout, pour grimper. On arrive à Woodman, pour KTH. Metallo, le zip vertical, on utilise les items 1 pour pouvoir rentrer suffisamment haut dans le plafond pour faire déclencher le scrolling. Et oui, avec Bubble qui est mort à 16.47, Acharf était 2 secondes derrière son PB, son meilleur temps ever, son personal best d'il y a 2 ans. C'est clair, moi j'attendais un faux que... Moi j'attends le sub 28, juste pour le symbole, le sub 28 qui est quand même... Mais je sais que c'est 5 secondes, c'est là où c'est 5 secondes, donc commence à être difficile. Ouais, mais ouais, c'est vrai qu'il a une bonne position dans le leaderboard...
de Mega Man 2 à Sharp, mais ils sont musclés en dessous des 28 minutes, ça devient très 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 compliqué. Mais alors du coup, je pense à ça, parce qu'on n'a pas vu le début de la run, je me rappelle pas des dernières runs que j'ai pu voir de KTH, avec son temps de 30 minutes 25, qui fait le deuxième ordre optimal. Non, on est sur la strat la plus agressive, il me semble, aussi, pour KTH. Hier, on était sur 4 fois Herman en premier, de mémoire. Le chat me corrigera si je me trompe. Métallo avec la strat sous-optimale, où on finit l'Eurodragon en haut plutôt qu'en bas, ce que nous avait montré Acharf. On nous disait que c'était intolérable de faire comme ça, quand on est sous les 29 minutes. Donc Métallo, il va falloir vite apprendre les dernières choses qui te manquent pour battre le PB d'Acharf. Allez, en tout cas, William pour KTH. Mais Chidu qui c'est. Pour les runners, il va vraiment falloir arrêter de s'excuser et de dire que c'était pas une très belle run. Quand on vous fait des runs comme ça, c'est vraiment très 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 impressionnant. Hein. Donc Chidu à Sharp, félicitations évidemment, félicitations à tous les runners qui ont participé. Et on regarde la fin de cette petite finale pour la 3ème place. Et c'est talons. Raté. Ah non, c'est raté côté KTH. Attention, ça coûte des items ça. Ceci dit, moi là, je vais aller dans le sens de KTH. C'est pas grave. Mm-hmm. C'est pas grave. Faut y aller, on fait la backup tout de suite. Ouais. Alors du coup évidemment on s'équipe, on faut qu'on ait une arme avec déjà tout rempli quand on passe ici, hein, pour justement, parce que c'est vrai que Mega Man 2, dès qu'on a un objet qui remplit une barre, que ce soit la barre d'énergie ou la barre d'arme, bah, le jeu est gelé et on perd vraiment pas mal de temps, donc c'est pour ça que on évite au maximum en tout cas de... Ouh, zip chez KTH qu'on n'a pas fait Métallo. Ouais, mais c'est rare, c'est des petites habitudes de race, il y a par exemple des choses que certains... Là par contre, voilà, maintenant il n'a plus le droit à l'erreur, en tout cas, normalement, pas de problème. Normalement, pas de problème, c'est Parker, le boss qui arrive, donc il n'y a pas de surprise. Mais on a vu des gens mourir quand même des bons runners, tant c'est rare. Donc, voilà. Ah, et pour ceux qui en veulent plus, malheureusement, c'est la dernière race de la journée. Mais on reprend, vous inquiétez pas, les gros tournois, samedi prochain, 5 jeux à la suite... et deux semaines après, on aura les 10 jeux à la suite, une fois par jour, samedi, dimanche, semaine suivante, samedi, dimanche, et deux semaines après, ultime finale. Samedi, dimanche. Samedi, dimanche, ce sera merveilleux. Voilà. Donc c'est vrai que ça va être assez fou, vu qu'il y a plein de runners d'inscrits, il y a, ouais, dès les premiers, tout, il s'est fait une petite frayeur. Métallo, là, justement, le boss gratuit. Ça aurait été terrible de mourir là, parce que ça l'aurait mis dans la difficulté, quand même. Bah, il se serait synchronisé. Et ce serait synchronisé avec KTH, justement. Quel est... je regarde un petit peu, du coup, Métallo, lui, cette semaine, il a fait... Ah bah c'était hier, hein, où il a fait un 29... ah non, c'était... Métallo, je regarde, non, il a fait un 29-23. Et bah c'est... Ouais, c'est son meilleur temps de la semaine, quand même. C'est vrai qu'ID 12 milliards qui nous dit les excuses, c'est un bon indicateur du niveau incroyable des runners sur cette saison. Oh, j'ai fait que 210 points, excusez-moi. Ah oui, j'entendais les excuses. Non, les runners qui disent les politesses, ça les certains diraient. Les politesses, voilà, les politesses, oh là là, j'aurais pu faire mieux. C'est les politesses à la Roger Federer. Ouais, c'est ça. Mon adversaire était vraiment incroyable. C'est trop, j'adore. Allez, en tout cas, on gèle pour KTH. Attention, on équipe le bon item. Faut pas trop utiliser d'items. Et là, on va faire la strat, je pense, des damage boosts. Ah non, voilà, item 1, c'est un peu plus propre que ce qu'a fait Métallo ici. Voilà, on a pris qu'un seul hit. Mais Métallo arrive au Guts Dozer, alors KTH arrive que simplement maintenant à Pico Pico Kun. Le tank, la formalité... Ah, deux sauts, voilà. Deux sauts. On devrait avoir des barres de combo qui s'incrémentent. Vous l'avez réussi tant de fois d'affilée. On voudrait... Il faudrait encore plus de stats. Ça serait beau, voilà, plus de stats. Avec des gens qu'on en engage à plein temps pour regarder tous les streams des runners et pour regarder... Ah, il a fait un reset et tout. Des stats, et il faut des HUD pour toutes les stats. Dès que t'arrives au truc, t'es là. Il est passé, voilà. Alors... Et alors, pour l'ultime finale, au lieu de l'ultime finale, il y a deux pistes. Une à Valenciennes qui est bien en train d'avancer, et sinon la backup sera fougère. Donc dès qu'on saura tout ça, on vous confirmera ça, tout ça, évidemment. Mmh. Enfin là, on est vraiment à, c'est du 99%, c'est juste une question de formalisation, comme on disait. C'est vraiment, vous allez voir les infos très très vite, là. C'est juste que de notre côté, on attend pour communiquer. Enfin,
voilà, c'est ça se profile très très bien et normalement, je pense la semaine prochaine, vous aurez ces infos. Communication partout sur Nesblog, j'imagine, Twitter, dans les streams de l'UD, de tous les runners, voilà, vous saurez tout très bientôt. Ne vous inquiétez pas. Willy 4 chez Metallo, on meurt pas ici comme l'avait fait Ashar, ça aurait été dommage. Comme l'ont fait beaucoup de runners finalement dans ce tournoi. Ouais, c'est ça, mais c'est la faute d'inattention. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, quand on dit que tout peut tuer, quand on fait un speedrun, c'est assez vrai parce qu'on a passé des trucs durs, des fois on relâche un peu l'attention et on fait un tout petit saut, un tout petit peu trop court et on meurt. Ces pics n'ont tué... Est-ce que les oursins de gauche ont tué quelqu'un de ce tournoi? Je me rappelle pas avoir vu trop de morts sur Willy 3 finalement. Même aucune en fait depuis le tour de jeudi au moins. Donc parmi ceux qu'on a streamé évidemment. Est-ce qu'un runner cette semaine est mort sur les deux petits oursins, les deux derniers oursins? Ça zip chez Metallo, ça zip très vite, très agressif, c'est très bien. Ah, il a zippé trop loin par contre, dommage, c'est pas grave. Oh, faudrait que ça touche ça, ouais c'est bon, ok. Ouais, normalement pas de panique, le saut. C'est propre, on va souvent aller strat le double hit, on va essayer en tout cas, c'est raté. On va essayer les transferts de dégâts sans doute. Ouais, ça prend un hit, et on touche, et ça passe, ok, très bien. Il lui reste une crash bomb, va-t-il en faire usage contre la Willy Machine? Allez. Bah c'est vrai que c'est quand même minime le gain parce que quand on regarde déjà à la 6 ça va très 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 vite. C'est assez fou quoi. Bah c'est le one shot hein, donc ça aide toujours. C'est ce qu'il faut. Chez Metallo on commence le boss rush, on a 2 minutes de retard à peu près pour KTH. Il y a un peu moins de 2 minutes de retard au PB donc on peut dire que KTH fait sans doute une petite contre-performance par rapport à... Ce à quoi ce qu'il a fait, ce à quoi il nous a habitué cette semaine. Hier, il avait fait 30-54. On va voir s'il arrivera à s'en approcher, mais il était vraiment qu'à 30 secondes de son PB, ce qui est très bien. Oula, il a fait un hit, très bonne récupération. C'était bien joué. Ouais, le réflexe, il a vu que ses frames d'invulnérabilité ne dureraient pas assez longtemps. Et il a donc mis une plateforme supplémentaire. C'était les bonnes réactions, le sang-froid qu'il faut, le sang-froid des runners sur Mega Man 2. Hier, je repense, je sais pas si je t'ai dit, Shidu hein, qui avait utilisé une crash bomb de trop, et sa seule façon de tuer une trappe, c'était de faire le transfert de dégâts. Sa seule option, sinon c'était game over, et il l'a réussi comme ça. C'était très beau. Ouais. Allez, on est parti, on va faire le zip aussi du coup pour KTH. On dirait des formalités ces zips alors qu'ils sont tellement flippants à cause de... Oh là là, très agressif, ça passe. Mais en stream, c'est quasiment du 100% de réussite, donc c'est vraiment une formalité. On l'a jamais vu sauf clock ce jeu. Jamais, pas une seule fois. Non mais c'est un mythe en fait, c'est pour faire peur aux runners. C'est ça. C'est le softlock, c'est le père fouettard du speedrun. C'est assez fou ça. Ah non, c'est raté. Ah, c'est pas grave, il a assez pour tuer les deux. J'ai l'impression qu'on va même pas faire le transfert de dégâts, voilà, tout va bien. Et la Wii Machine vaporiser côté Metallo. J'ai l'impression qu'il a utilisé sa crash bomb, mais j'avais l'œil rivé sur le run de KTH. Voilà, on arrive en tout cas à la fin. On est pas mal, en tout cas Metallo. Metallo, par rapport au temps qu'il a fait cette semaine, il est bien en fait. Ah si, on a eu un soft clock jeudi, mais il était pas en stream. Ça compte pas, ça existe pas. Ça existe pas, voilà. Ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Allez hop. C'est ta parole contre la nôtre, Acharf. Ah, ça zip parfaitement contre Metallo. Assez agressif aussi, hein. Et ça devrait être la victoire en sub 39 si le combat se passe normalement. Il a soft lock jeudi. En sub 29, pardon. Sub 39, c'était assuré depuis longtemps. Ça se trouve, on sera là. On pensait que c'était assuré le sub 39. Comme quoi, dans Megaman, faut rien lâcher. C'est la catastrophe. Et c'est bon.
Sub 29, meilleur temps de la de l'après-midi. C'est Metallo qui le signe pour valider sa médaille de bronze. KTH, 2 minutes de retard, hein, qui va sans doute peut-être même faire sa moins bonne performance de la semaine, malheureusement. Il était à 32.06, à peut-être le sub 32 quand même pour lui. Ceci dit, Metallo, c'est en plus d'être la meilleure performance de la journée, c'est sa meilleure performance de la semaine aussi. Ouais, 28.54, ouais, très très beau. Donc c'est très très beau. Ouais, premier sub 29, hein, donc en fait c'est marrant parce que c'est un sub 29, mais ça, ça lui enlève de la régularité techniquement parce que ça augmente l'écart entre sa moins bonne run et sa plus grosse run. Non, très très joli. Le sub 29, il y en a eu très peu cette semaine. Deux d'Acharf. On a fait. Ah non, qu'un seul d'Acharf. Et 28.44. C'est tout. Ouais, c'est le deuxième sub 29 de la semaine. Très impressionnante run. Ça veut dire que c'est pas complètement donné. Alors. Les euphémismes. Donc, je regardais sur KTH, lui, les temps qu'il a fait cette semaine. Mais c'est vrai, c'est un, ça va être un peu derrière, mais. Oui, on va le laisser finir juste pour regarder. On en est à, on arrive à Will 6 là. On est à une minute à peu près de la fin. Ça va être sub 32, mais pas sub 31 malheureusement. Metallo qui dans son cœur a gagné. Non, l'important c'est de gagner dans le cœur. Voilà, Zik nous dit, hein, il est pas si loin de Metallo, mais Metallo a fait une super run. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et Frabzetsi du coup qui a fait des stats, là c'est vrai que c'est en plus c'est que le deuxième sub 29 tout court en race en fait, tout tournoi confondu. Parce que du coup il devait y avoir un 29 minutes tout court, c'était le deuxième meilleur temps je crois. Et non, maintenant on a deux sub 29 en meilleur temps de race. Ouais, le zip ça va lui assurer peut-être le sub 31. C'est tout juste, mais il a déjà fait son menuing. Ça va être vraiment très serré. 6 secondes pour tuer l'alien. 4 secondes. Il a un très bon machine en général KTH, mais non, ça ne sera pas le sub 31 malheureusement. Les 200 points qui s'envolent. Attention, pas mourir quand même. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. Mais du coup, ça fait qu'il est dans sa, il est dans sa moyenne quand même de la semaine en fait. Il est quand même dans sa. Les... Je vois que les runners, ils rentrent hyper vite leur temps. On leur laisse presque trop de temps. Mais oui, mais c'est ça en fait. En fait, on devrait arrêter surtout avec l'outil de race. Il y a juste à faire j'ai fini et c'est bon. Ils sont à la frame, ils font un alta, mais c'est direct. C'est clair. GG KTH. Ah, qui pibi, il est à 30-22. Il y avait un décalage certain en fait de stream. Ah oui, c'était 30-25 son. Son record. Et bah donc, du coup, c'est très beau. D'où peut-être le petit écart au départ. C'est peut-être un départ, peut-être soit de stream, soit il a été parti en retard. Ouais, décalage de stream ou décalage de départ, effectivement. En tout cas, 30-22, bah, très très belle run. Il est juste sous ce qu'a fait Shidou, qui a fait un 30-15 tout à l'heure et a Sharp avait gagné avec un 29-49 le tournoi. Bravo à vous quatre. Et on a fait le tour. C'était juste les deux jeux. Eh ben carrément. Donc, ben, que va-t-il se passer? Ben maintenant, les gens vont continuer à s'entraîner pour le plaisir, pour avoir des étoiles ou pour se qualifier en tout cas dans les derniers tournois qui auront lieu pour cette saison 4. Samedi prochain, on a la finale du Pentathlon B1. Du coup, il y aura les deux jeux que nous avons vus aujourd'hui, Mega Man 2, Mirror's Edge, et nous retrouverons du coup Super Mario World, Kururin et Nitronic Rush. Du coup ça va être un petit peu un tournoi à voir, bon il y a plein de gens qui sont favoris, plein de gens qui sont talentueux, et voilà, il y a des jeux punitifs, des jeux de la régularité, il faudra tout donner, ça devrait être sympa, et puis du coup c'est un peu la dernière ligne droite, c'est le dernier tournoi du coup, bah c'est le dernier tournoi qui va donner des étoiles, qui permettent de se qualifier, après il y aura des étoiles strictement cosmétiques pour le coup. C'est la fin là, c'est la fin de l'UD4 un peu, hein. On le sent venir, fin de, du Pentathlon B avec cette finale dans une semaine. Ouais, ça va être beau. Et le championnat, souvent, je suis impatient de voir aussi, parce que souvent, les gens qui se font éliminer, ou en dernière ligne droite, ils continuent de grinder, puis il y a un dernier sursaut, avec des PB toujours plus fous. On remercie, en tout cas, Prosper, on remercie toute l'équipe. Évidemment, j'ai pas ma page sous les yeux, donc, qui est sur le site, qui est sur cet écran. Les remerciements. Là, c'est pas, en fait, on remercie, bon, déjà, les spectateurs, on remercie les runners, on remercie ceux qui nous soutiennent. Mais c'est pareil, la page Tipeee Stream n'est pas ouverte, donc on vous remerciera nommément la prochaine fois. En tout cas,
Donc pour la suite, donc merci Indigeste, Vandal, Tenket, Tori, Anxes, Crocnox, Jojino, Nuke Jason, ainsi que toutes les personnes qui nous ont aidés du coup cette saison, et particulièrement Chamout pour les tournois éliminatoires, pour ces vidéos. Voilà, des bisous à vous et des bisous aux autres. Reposez-vous dimanche. Moi, je pense que je vais me reposer demain. Oui, là, il va falloir prendre une pause et puis ensuite. Ah mais non, on rentre les tournois UDD avec Jojino, donc. Évidemment. Donc voilà, mais à part ça, ça va être le petit repos. Voilà, des bisous à tout le monde, bonne fin d'après-midi, salut. Des bisous.